Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Barbatronic, ce nouveau live robotique, le 33e. Le 33e, c'est un sujet que je n'ai pas effectivement trop choisi, puisque je vous ai proposé de le choisir sur Twitter. Et puis, vous aviez le choix entre la Coupe de France de robotique, le micro-robot de combat et Maker Fight. Autant dire que Maker Fight, ça n'a pas été choisi du tout. Désolé. Et puis ça s'est pas mal bataillé entre les deux, entre la Coupe de France de robotique et les micro-robots de combat. Et c'est la Coupe de France de robotique qui a gagné. Donc du coup, ce soir, on va faire un gros sujet plutôt sur la Coupe. Néanmoins, ceux qui m'ont vu tout à l'heure en before savent que je vais aussi un peu parler de mon retour sur les pneus. Et je sais que vous allez râler. Alors, il y a déjà du monde sur le chat. Salut Roger Chine, salut Defourout. Roger Chine qui était là dès le début, qui était là à fond. Salut Kamikaze, salut Rosalind, salut Alf, salut Jonathan. J'aime diriger la vie des autres. J'espère qu'il sera Barbarotard. Jingle. Voilà, déjà vous êtes déjà bien chaud là ce soir. Ça me fait bien peur parce que moi je suis pas forcément en très très grande forme. Je sais pas si ça s'entend, mais j'ai un petit rhume, donc je suis un peu rhume plus claqué. Donc je sais pas combien de temps je vais tenir en live. On verra bien. Du coup, il va parler de robots de combat pendant 2 heures. C'est à peu près ça. Du coup, j'avais dit 90% de la coupe, 10% des robots de combat. Donc, on part sur un live plutôt de 20 heures. Donc, 2 heures robots de combat. Et puis, le reste, en Coupe de France de robotique. Voilà, nickel. Barbarum, ouais. Hello, Fredji. Salut, Gabi22. Barba malade à mon avis. Allez, on se démarre le récap. Alors attendez, parce que comme c'est vachement bien préparé, vous savez, j'ai pas du tout lancé tout ce qu'il fallait, j'ai pas la musique, c'est n'importe quoi ce soir. N'importe quoi. Je mets un peu de musique. Yes. Alors pas trop fort. Voilà. Et puis on va partir sur le petit Barba Covid. Non. Ça, c'est mon rhume que j'ai tous les ans. À chaque fois que j'ai fait un peu de jardinage, c'est... Blam. Barba pas prêt, exactement. Barba pas prêt du tout. Allez, c'est parti, récap de la semaine. Et on commence le sondage. 54-5 pour la Coupe de France et 43-2 pour les micro-robots. Et c'était pas dit, hein. Du coup, j'avais préparé un sujet sur les micro-robots jusqu'à il y a 2 heures avant. Et là, c'est remonté d'un coup. Bon, c'est tout. On va parler de ça. Et ce que je disais, c'est que c'est vachement bien parce qu'en fait, j'étais un petit peu... c'était un petit peu tombé ma motivation vis-à-vis de la coupe, notamment avec les dernières infos qu'on a eues cette semaine. Et donc du coup, ça c'est la première info. Vous savez maintenant que jusqu'à mi-juillet, a priori, toutes les gros événements en fait seront annulés, et donc il y a un risque effectivement que la coupe soit annulée. On a reçu des coups de téléphone pour dire est-ce que ça nous dérangeait de décaler à août, septembre, octobre, est-ce que on pouvait créer une coupe, qu'est-ce qu'on préférait, le report, le décalage, la modification du règlement. Bref, les équipes de Planète Science sont en train de voir un petit peu comment tout ça peut se dérouler correctement. Pour l'instant, pas plus de nouvelles que ça, en tout cas pas plus de nouvelles que vous. Et puis on attend ça. Donc moi j'étais un petit peu voilà, le truc était un peu retombé. Bon, je vais bouger ma lumière, yes. Et puis c'est bien que vous me proposiez ça, comme ça ça va me remettre un petit peu en piste. Surtout qu'en plus là je pouvais pas faire grand chose parce que c'est mes collègues qui s'occupent du code. C'était un petit peu plat, voilà. Mais il y a des sujets et on va traiter de ces sujets aujourd'hui. Alors attendez, je reprends mes notes. C'est vraiment pas prêt. Alors, du coup, attendez, parce qu'il y a plein de gens qui arrivent. Salut King of Chouf, salut Julien, salut Mike, je regarde si j'ai oublié personne. Oui, victoire écrasante de la CDR. Écrasante, je sais pas. Franchement, ça s'est joué sur le fil. Tu veux dire qu'on n'a pas eu pas d'annonce officielle? Ah non, on n'a pas eu d'annonce officielle, c'est-à-dire que là, ils appellent pour savoir ce qui se passe, mais de toute façon, honnêtement, s'ils appellent, c'est qu'a priori, c'est annulé, enfin, je veux dire, pour moi, ça... Puis, honnêtement, même si ça serait maintenu le 8 juillet, une Coupe de France de robotique, moi, j'y vais pas, hein. Honnêtement,
S'il y a des règles de santé publique, c'est pour une raison très particulière. Il faut pas qu'on soit dans la merde. Et rassembler un bon millier de personnes au même endroit, avec des distances de sécurité qui sont non tenues, non, non, c'est bon. Autant très peu pour moi, quoi. T'as voté quelle option? Peut-être en septembre, octobre, peut-être, peut-être. On verra bien, on verra bien. Salut, Super Balou. Bonsoir, Oxy. Michel, ils appellent Macron tous les matins. Sur le Discord de la Coupe Suite, c'est bah pour l'instant, on sait pas trop, ça change toutes les semaines. Bah, c'est oui, bah honnêtement, on est un peu dans le même genre. Hein. C'est après, il va falloir trouver aussi un lieu, quoi. Je veux dire, si on continue de faire la Coupe, ça va être compliqué, quoi. Salut, Yonner. Donc, bref. Eh ben écoutez, on va attendre d'avoir plus d'informations sur la coupe, c'est tout, voilà. Alors, en même temps, vous savez que, pour ceux qui me suivent sur Twitter et autres, j'ai sorti une petite vidéo sur le moulage des pneus. Donc la semaine dernière, on avait fait le moule des pneus pour les micro-robots de combat, mais c'était une technique qu'on pourrait utiliser aussi pour la coupe, en fait pour n'importe quel petit robot, on va dire. Et le principe, c'était d'utiliser du silicone de magasin de bricolage. Hey, merci Yoner. Du silicone de magasin de bricolage, du savon, et puis de réussir à faire des tirages comme ça. Et que RCVA qui veut garder la. Ouais, ils ont mis un post sur le forum, c'est. Du coup, hors CDR, joue trop boutique annulée ou pas vu ces petits rassemblants. Non, non, ça sera annulé, j'envoie des messages la semaine prochaine. Ça laisse 27 lives d'ici septembre. Je vais peut-être augmenter mon taux de live. Ouais, il y a les copains qui live. Il y a Kamikaze, il y a Alf, il y a Alex, il y a King of Shoof qui live aussi. N'hésitez pas à aller les voir aussi. Donc du coup, petite vidéo de 6 minutes, j'ai repris le format court-circuit, ça m'a un petit peu, voilà, j'avais envie de reprendre un petit peu ce format-là, donc elle est sortie sur, le mec qui fait sa pub, elle est sortie sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore déjà vue. L'idée c'est de résumer un petit peu ce que j'ai fait la semaine dernière, et puis voilà, de montrer un petit peu par comment je m'y suis pris. Du coup, très rapidement, pour revenir dessus, donc je suis perdu, ouh. Voilà, donc j'ai fait ces petits pneus pour le robot de combat. Franchement, ça marche super bien et je me tâte même à le faire pour la coupe parce que j'ai été très très surpris. Alors celui-là, c'est le premier que j'ai tiré dans un moule un peu trop, enfin celui qu'on avait designé ensemble, et vraiment c'est trop lâche et ça bouge de trop. J'en ai fait un qui était beaucoup plus serré et là c'est vraiment nickel. Il faudrait le coller un petit peu quand même, mais honnêtement la prise elle est impeccable. Donc j'en ai fait voilà, j'en ai fait deux versions, le petit et puis le grand ici. Et donc du coup ça fonctionne super bien. Allez voir la vidéo, les fichiers sont en description. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à passer sur le Discord. Et puis c'est ici le stream avec des robots. Ouais, c'est ici, salut Alex. Yonner, je vais essayer ces pneus pour les sumo. Bah franchement, pour les sumo, c'est vraiment typiquement c'est le genre de truc qui peut vraiment bien fonctionner, quoi. Du coup, moi j'ai fait un pub de toute façon, vous me connaissez. qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, non, ça fonctionne vraiment très très bien. J'ai été vraiment très très étonné du résultat. Et honnêtement, maintenant que j'y pense, pour la coupe, ça pourrait être vraiment aussi très intéressant. Si vous êtes intéressé aussi par d'autres techniques qui utilisent un peu le même principe, je vais vous donner le lien dans le chat de la vidéo de Team Panic, qui fait aussi un truc dans le même genre. Alors toujours avec des robots de combat. Le seul truc différent, c'est que lui, il ne mélange pas dans l'eau et il galère un petit peu à le poser. Il le pose à la spatule et son boule est un peu différent du mien. Enfin, je trouve que ça. Sa solution, elle est. Il y a des choses à prendre, mais il s'obstine dans des choix de moulage qui sont un peu étranges, je trouve. Par exemple, là, c'est deux demi-coques. Plutôt que de réassembler les demi-coques autour, il essaye de le presser dedans. Bon, je trouve pas ça hyper intéressant. Par contre, réponse du coup à Alf de la semaine dernière qui me demandait si on pouvait mettre du colorant dedans, et ben oui, on peut mettre du colorant. Lui, il a mis de la peinture acrylique et ça marche super bien. Voilà, il arrive à faire des roues avec une certaine couleur. Alors du coup, moi ce que je vous conseille, c'est que si jamais vous voulez utiliser ça chez vous et faire un mélange avec ma peinture acrylique par exemple, faites ce qu'il a fait,
mélangez dans un pot, et après, vous prenez cet excédent et vous le foutez dans la flotte en utilisant ma technique. Et ça fonctionne très très bien. Je referai peut-être une vidéo pour vous montrer ça, et c'est vraiment très intéressant comme solution. Lui fait du surmoulage, moi j'y crois pas trop. Regardez sa vidéo, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis voilà quoi. Du coup, on bloque son chat. De quoi on bloque son chat? Lui, au moins, j'arrive à voir ses images et son son sur le même PC. Les titres de ton mensonge. Ah. Mais non, les enfants, c'est le récap. Toute la semaine, c'est comme ça. Voilà, je parle d'autre chose pendant le récap et après, on lance le live. Ah oui, voilà. Notamment, si vous faites des commandes sur AliExpress, sachez que les commandes, elles repassent. Donc moi, j'ai reçu des servomoteurs pour la coupe, j'ai reçu mes pompes à vide aussi. Salut Vincent Vendeurs. Oui, du Rica. J'ai reçu plein de trucs et notamment, j'ai reçu, je reviens sur l'atelier, j'ai reçu ce petit ESC dont je vous parlais la semaine dernière. Et j'en ferai peut-être une description la semaine prochaine. Mais ça fonctionne très très bien. Et du coup, ce petit composant-là, en fait, me remplace tout ça. Voilà. Mes deux ESC plus mon mixeur. Donc c'est vraiment vraiment très cool. Et j'ai trouvé une autre version de cet ESC, mais en beaucoup plus petit. Voilà, celui-ci que j'attends aussi de recevoir. Et donc, je vous en ferai une critique aussi bientôt. Donc, voilà. Et ça, c'est pour après, pour vous teaser un petit peu. Voilà, j'ai commandé des tout petits, petits, petits moteurs brushless. Donc, on pourra faire des trucs avec. Ça va être assez rigolo. Je mettais en pause la vidéo. Dernier truc sur le moulage, j'ai Stéphane du Technishtub qui m'a envoyé des photos. Christophe, pardon, pas Stéphane. Christophe qui m'a envoyé des photos de comment lui faisait à l'IUT à Mulhouse. Et ça peut être intéressant aussi pour vous parce que lui fait ça sur des robots qui des pneus qui sont beaucoup plus gros. Alors, je vais vous montrer ça. Ah, ou pas. Wow, ça a mis un temps infini à arriver. Donc lui, il fait ça avec du matos un peu industriel, mais c'est juste pour le mélange et puis pour la mise sous vide. Mais vous pouvez faire ça de manière traditionnelle, on va dire, avec du silicone standard. Ce qui m'intéresse ici, c'est les moules. En fait, il vient surmouler le pneu. Donc c'est que de l'impression 3D. Après, vous faites ce que vous voulez en termes de choix. Vous voyez peut-être pas très bien, mais ici, voilà, il a fait cette petite forme ici, qui me semble intéressante pour couper le bandeau. Et ça, c'est vraiment vraiment cool. Je trouve que c'est intéressant. Donc le silicone, il rentre à l'intérieur. Voilà, donc il y a un moule qui se referme au-dessus. Donc lui, voilà, il vient couler ça à l'intérieur. Et après, une fois, et il met du scotch autour. Voilà, tout simplement. C'est vraiment vraiment très très simple. Et au démoulage, voilà ce que ça donne. Et du coup, le résultat est pas mal. Il reste plus après qu'à nettoyer toutes ces petites coulures. Mais du coup, il a ses roues surmoulées. Et c'est vraiment, vraiment intéressant. Quand on a une chaîne, pas pour les rêves qu'on a testé et qui marche bien. Ah oui, effectivement, ça serait vraiment cool ça. Donc voilà, je vous montre ça parce que ça pourrait être intéressant. Et c'est vachement plus proche de ce que CVRA avait montré la semaine dernière sur le tirage de ses roues, où eux, ils font ça en silicone aussi. Et ça pourrait être intéressant. C'est moi où son son est plus faible que d'hab. Hein? Mon son est peut-être plus faible. Dites-moi, hein, je monte. Hein. Hop! Genre, les notifications d'histoire sont plus fortes que son live, c'est moi. Ah non. Oui, plus faible que d'habitude, je trouve aussi. Ah, bon, bah écoutez, je vais monter un petit peu. On va monter un tout petit peu. Est-ce que c'est mieux là maintenant? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est beaucoup mieux? C'est le niveau de la musique qui est plus fort que d'habitude. Ah. Ah. Bon, on va baisser la musique alors. Hop. Voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Chez moi, c'est au poil. D'accord. Les tout petits brochets, ils ne sont tournés qu'à grande vitesse, donc réducteur obligatoire pour des roues. Je veux pas les faire pour des roues, c'est plutôt pour une arme. Voilà, du coup, c'est plutôt. Oui, j'ai envie que ça tourne vite. En fait, il y aura un petit réducteur potentiellement. On verra ce qu'on fait. Je veux pas trop me fixer, mais l'idée, c'est vraiment. C'est des moteurs qui font 3 grammes, donc ça me fait marrer. Donc moi, je vais garder ça. Moi, je trouve ça assez chouette, du coup. Le niveau encore assez faible. C'est vrai que mon niveau monte moins haut que d'habitude. Bah. C'est très étrange.
Alors, attendez. Attendez. Hop. Vous m'avez perdu, c'est normal, pas de panique. Je suis toujours là. C'est noir. Ah mon dieu, jingle. Je vais augmenter le gain un petit peu. Normalement, là, ça devrait être un tout petit peu plus fort. Un poil plus fort maintenant. Voilà. Et je reviens sur le récap. J'ai peur. Voilà. Pars pas. Reviens. Reviens. Après, si je veux augmenter un peu plus, il va falloir que je modifie quelques petits réglages. Ça va être un peu plus long. Mais je pense que ça devrait être bon là. Il fait tout noir. ouais, comme il y a du retard sur le chat, c'est assez rigolo de vous voir réagir après. Bref, ouais, donc du coup, j'ai reçu mes pompes, j'ai reçu plein de colis, et du coup, c'est cool, je suis content, il y a plein de trucs qui commencent à arriver, donc ça veut dire que ça va relancer un peu mes projets. Tu m'as fait une barbe à peur. Donc voilà, voilà pour tout ça. Bah maintenant, écoutez, on va passer à la suite. Donc on va passer, bah, en fait, travailler sur la Coupe de France de robotique. Donc avant ça, n'hésitez pas, du coup, bah, à vous abonner sur la chaîne, même sur la chaîne YouTube. Voilà, n'hésitez pas à passer sur la chaîne YouTube, à vous abonner, à regarder, et à liker les photos, les vidéos, parce que du coup, moi, ça me donne aussi une information sur ce que vous appréciez, ce que vous appréciez pas dans les vidéos que je poste. Parce que du coup, là, j'ai quand même envie de refaire des formats courts. Voilà, le format 6 minutes, c'était pas mal. Par contre, j'ai commencé à monter avec DaVinci Resolve, qui est pas du tout mon logiciel de montage de d'habitude. Et franchement, ça a été une galère monumentale. Donc bon, bref, c'est pas grave. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup plus de temps à la sortir. Elle aurait dû sortir il y a 3 jours. Mais bon, c'est pas grave. Donc n'hésitez pas à aller voir, à liker tout ça. Je vous fais confiance. Allez partager. Si vous êtes intéressé aussi pour bah, discuter hors live, en before, en after, pendant la semaine, etc. Me donner des infos, discuter avec d'autres personnes de robotique. Et bien, il y a le Discord. Je remets le lien ici. Le son a augmenté quand j'ai baissé la barre. Hé! Ok, on va pas retenir. Et puis voilà, voilà. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? De quoi qu'on va faire? On va parler des robots de la Coupe de France de robotique. Donc moi, je vais bouger tout mon merdier avec les robots de combat. Et puis, on va reprendre les robots. Et je pense que ce soir, je vais faire... Laisse, il est bourré. Eh ben oui, il boit beaucoup de bière, tu le sais. Non, je suis sobre depuis quoi? Depuis quand? et on va parler de la coupe. Allez. Hop, je prends les deux robots, même s'ils sont pareils. Alors, ils n'ont pas leur petite tête, parce que j'ai pas encore fixé les mats de balise. Donc voilà. Hop. Mais c'est pas grave, ça va nous faire le truc quand même. Au moins 14 heures. Salut Guizou. Salut, enfin je trouve un truc sur mon thème du maker like. Nice. Ah bah, écoute, ça tombe bien. On était sur du moulage de pneus, mais bon. Non, mais en plus, je vais faire de l'élec là ce soir. J'ai envie de revoir un petit peu les cartes et, de cette année. Et il y a deux cartes que je voudrais modifier. Une finir et l'autre modifier. C'est ma carte d'alim et ma carte de. Mes cartes satellites et mes cartes d'alimentation. Du coup, ça fait 3. Voilà. Et ça fait pas 2. Donc, tant pis. Donc, j'ai ouvert Fusion. J'ouvre Eagle. En même temps, je vous montre. Yes, sur Fusion. Non, pas Gamigas. Alors, ça, je peux fermer, ne pas enregistrer. Yes. Alors, on va aller chercher dans le caribou. Alors, le truc, c'est que... Bon, je vais ouvrir le modèle 2020, qui est très lourd, à moins que les cartes... Non, ça c'est les cartes. Non, toutes les cartes sont en 2019. Donc on va bah, les secondes. MP, je fais des projets plus high-tech. C'est juste que la majorité des streams sur Twitch, c'est du dessin ou du Lego. Ah bah voilà, bah du coup, là, nous, on fait ni l'un ni l'autre. Nous, on participe à des Coupes de France de robotique, à des Maker Fight, à des combats de robots, à plein de trucs comme ça. Et puis on fabrique des robots. On fait quasiment tout, électronique et mécanique.
Alors, électronique, yes, il y a la carte de puissance, il y a la monoboard et il y a tout ça. Ok, bon, alors je vais passer sur l'atelier, comme ça je vais vous remontrer un peu l'archi, pour ceux qui ne connaissent pas. On va ouvrir le robot. Ouh, ah, c'est marrant, vous voyez ma... Attendez, je vais changer ma lumière. Ouais, beaucoup plus classe comme ça. Un robot est obligé de bouger pour s'homologuer, ou il faut au moins faire un point, mais pas forcément bouger. Alors en fait, pour être homologué, il faut bouger, sortir de sa zone de départ et être capable de faire un point. Voilà. Et aussi d'être capable d'éviter l'adversaire et de s'arrêter à la fin du temps imparti. Voilà, ça c'est les points principaux qui sont vus à l'homologation en homologation dynamique. Après, il y a l'homologation statique qui vérifie les contours du robot, le respect du règlement, etc. Mais en homologation dynamique, c'est ça. Plus certain du coup du déplacement. Si, 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 il faut faire les deux. Du coup. Voilà, alors je vais enlever ça. Alors merci d'ailleurs Audran pour, enfin Alf, pardon, pour la petite astuce là. Et éviter de pourrir ma nappe à chaque fois que j'ouvrais ça. Voilà, alors du coup, je sais pas si vous allez bien voir en fait. Ça va être un petit peu compliqué. Alors, comment ça marche à l'intérieur, vite fait pour l'archi. Une batterie. Ah, une batterie. Donc j'ai ma petite batterie ici. Pour voir le lien de la coupe. Merci Julien. Kamikaze. Donc, j'ai ma petite batterie lipo. Hop, qui vient se brancher sur un câble ici. Donc c'est ça qu'il faut que j'aimerais bien améliorer pour l'année prochaine, pour cette année, si on a un peu de temps. Et ce câble, là, il va à la carte qui est juste ici, qui est en fait une carte avec un gros relais, qui est activée par le bouton d'arrêt d'urgence qui est au-dessus. Voilà, qui est un bouton qui est important d'avoir, parce que c'est aussi un truc qui fait partie de l'homologation, et qui coupe tout le jus à l'intérieur du robot. Cette carte, elle redistribue la puissance dans l'ensemble du robot. Notamment, elle redistribue donc la tension batterie, qui est donc une 6S, donc on est en 22,2 déchargé, un peu plus de 24 chargé. Et ce 24, il va arriver dans différentes cartes. Il arrive notamment dans la carte principale, la monoboard, qui est là. Voilà, qui est la grande carte qui est ici, qui est composée de deux microcontrôleurs, un TINSI 3.2 et un TINSI 3.2 pardon, et un TINSI 3.5. Donc qui fait sa propre régulation, voilà. Ensuite, elle va communiquer avec l'ensemble des cartes et c'est ce qu'on va programmer au final. Elle est reliée à des composants type des servomoteurs, des capteurs, etc. Par le biais de ces nappes qui sont là. Voilà. Donc on a des cartes d'interface qu'on vient plugger dessus et en gros sur notre monoboard. On a la possibilité, alors là il y en a un que vous voyez pas, mais on a une, deux, trois, quatre connecteurs en dessous en fait pour la partie le TINSI de stratégie qui nous permet de piloter par exemple des servomoteurs, récupérer des informations de capteurs, piloter des pompes, des moteurs, etc. Et du côté du TINSI 3.2, lui s'occupe du déplacement et il est branché du coup à la carte des moteurs pas à pas qui est ici. Voilà, la petite carte des moteurs pas à pas qui est là. Et qui elle est aussi alimentée en 24 volts. Du coup, je ne vais pas tout vous refaire toute l'archi, mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt la partie puissance en fait, parce que c'est ça qu'il faut que j'améliore. Parce que la partie logique fonctionne très bien en fait. On a les informations qui sortent au bon endroit, on a les trucs qui vont bien, on a l'écran qui est branché au bon endroit. Enfin bref, tout ça fonctionne très bien. Un des trucs que je trouve par contre mal fait, c'est notre gestion de l'alimentation et du 24 qui parcourt un petit peu tout le robot. Donc vous voyez, il y a ce 24 qui arrive ici. Voilà. Il y en a un autre qui arrive là. Tout repart de cette borne-là. Voilà. Et alors, je vais refermer ça pour éviter de le faire tomber. Et l'autre problème, c'est que vous avez vu les nappes tout à l'heure. Ces nappes-là, elles sont reliées à des cartes qu'on a appelées des cartes satellites. Et ces cartes satellites, c'est tout bêtement en fait un redispatch des entrées-sorties sur des connecteurs 3 points. Voilà. Et... Ouh, je sais pas si vous allez les voir, ouais, si. Voilà. Ça arrive sur ces petites cartes qui sont là. Voilà, les nappes. Et ces petites cartes, elles, par contre, elles sont alimentées en 5 volts. Voilà. Et le problème, c'est que comme elles sont alimentées en 5 volts, il faut que je fasse de la régule 24 vers 5. Régule que je faisais jusqu'à maintenant avec ce
composant là. Voilà, ce gros machin, ce gros régulateur de bagnole que j'avais trouvé. J'en avais deux chez moi, donc ça marche très bien en fait. C'est pas ça le problème. C'est juste que je peux sortir que du. Que, je peux aller que jusqu'à 5 ampères, ce qui est déjà pas mal. Mais si jamais je veux le doubler, bah, faut que j'en mette un deuxième, ça prend un peu de place. C'est pas hyper bien. Comment dire? Prends un stylo pour pointer, c'est plus facile. Jouer. Ici, voilà. Et le problème, c'est qu'il y a plein de câbles qui courent dans tous les sens. C'est pas hyper ouf en termes de câblage. Et puis, bah, des fois, j'ai pas forcément besoin d'avoir du 5 ampères. Je pourrais avoir des petits régulateurs avec un peu moins de puissance et un gros machin pour des moteurs. Bref, je pourrais séparer. En gros, toute la partie gestion d'alimentation pour les cerveaux, les pompes, etc. Et bah, elle est faite par ce truc-là que je trouve pas hyper dingue. Ça marche, mais j'aimerais bien avoir ma propre carte à moi qui potentiellement pourrait aussi prendre un peu moins de place. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire en fait aujourd'hui, c'est travailler du coup sur la carte que je vous ai montrée au tout début, qui est la partie où qui va dispatcher en fait le 24 dans le robot. Donc ça, j'avais déjà commencé dans un live hors sujet et puis commencer à réfléchir un petit peu à cette carte de gestion de puissance. J'ai pas dit de la router ce soir parce qu'en fait j'ai pas encore trouvé les composants que je vais mettre dessus en termes de puissance, en termes de, bah ouais, de régulation, de convertisseur DC-DC, je sais pas encore ce que je vais utiliser. Donc du coup ça va être un petit peu de la recherche et potentiellement bah, hein, ces cartes satellites, soit on les garde comme ça, soit on les fait évoluer. Ça je ne sais pas trop. Bref, je vais bosser un petit peu sur l'électronique de ce robot. En essayant de, bah voilà, de retravailler un petit peu ça, d'optimiser certaines choses que je trouve pas optimales, et puis peut-être pouvoir réaliser les cartes avant la coupe de cette année si elle est maintenue, ou sinon bah, ça sera pour la coupe de l'année prochaine, et c'est bien, j'aurais pris un peu d'avance. Voilà. C'est bien, je me posais justement la question de la lime pour notre robot. Et bah voilà, tu vois, on va pouvoir en parler. Bah, ça a toujours été un petit souci dans nos robots, c'est que en fait on connaît des convertisseurs qui sont bons, mais c'est des convertisseurs qui coûtent cher, et comme ce que je disais sur Discord, c'est que notre philosophie, c'est de pas prendre des trucs chers parce qu'on a un sponsor qui nous en a donné, c'est de trouver une solution que même quelqu'un qui a pas de sponsor pourrait utiliser et qui soit pas trop onéreux et qui fonctionne bien en fait. Donc voilà. Tu as regardé ce TI, j'ai commencé, j'ai pas tout regardé. Il y a des trucs qui sont intéressants, mais on grimpe vite en termes de prix. Mais bon. Vas-tu utiliser les fameux Traco Power? Bah non, du coup. parce que les Traco Power, ça coûte cher. Mike, tu as testé le convertisseur 24-5 volts. Yes, je l'ai testé, il est là. Ça marche très bien, mais en fait, ce convertisseur-là, je vais plutôt le dédier, comme c'est un convertisseur plutôt de RC, je vais plutôt l'utiliser dans mes robots en fait de combat. Là-dessus, j'avais plutôt envie d'avoir une forme factor de carte en fait pour l'intégration et aussi pour le plaisir de refaire un petit peu d'électronique plutôt que d'utiliser un composant déjà fait. Mais par contre, oui, il fonctionne très bien. Est-ce que tu as la référence, Mike, de ton composant sur ton site? Parce qu'il fonctionne très très bien et il chauffe pas et tout. Donc c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment cool. J'ai vu des trucs chez Delta, sauf erreur, qui sortent 5 vols pour 5 antennes. Ah ouais? Ah bah ça m'intéresse. Nous, on utilise ça depuis quelques années, jamais eu de soucis. Alors, les Portwell, on va regarder ça. Allez, je passe sur mon bureau. Alors, bah du coup, oh. Ah oui, je les avais vus, c'était ça vos cartes. Je les avais vus passer, ces trucs-là, je ne savais pas ce que c'était, j'avais jamais vu ça. Ok, alors attendez, je prends les références, parce qu'on va peut-être en parler juste après. Et du coup, oui, le convertisseur que Mike, il me parlait, voilà, c'est ce convertisseur-là, qui fonctionne très bien, mais que je vais vraiment plutôt utiliser dans mes robots de combat, en fait. Parce que c'est plus adapté à mes systèmes de fixation dans mes robots de combat. Les gros robots de combat, hein, parce que voilà, la plage d'entrée, c'est entre 20 et 63 volts. Donc c'est quand même mais voilà, comme j'avais pensé passer en 6S pour mes robots l'année prochaine et changer un peu de ma motorisation pour du brushless peut-être selon ce que je vais avoir comme temps. Là je suis ben voilà, c'est carrément ça qu'il me va me falloir pour l'alimentation 5 volts de mon gros robot quoi. Donc ça c'est nickel. Et il y a un plus petit pour ceux qui sont en 12 volts. Moi le problème c'est que je suis en 24 aussi sur mes robots de la coupe, mais celui-là en 12 volts, ouais. Oh là. Non mais ça marche très bien. Hein. Ça pour le coup. Donc juste que 7 ampères dans ces fils-là, c'est peut-être un
poil audacieux. Enfin, dans ces fils-là, pardon, c'est peut-être un poil audacieux. À voir. 15 ampères, 15 ampères, pardon. 5 ampères là, à la limite, mais 15 ampères là, avec la taille de fil, j'ai un petit doute. J'ai un petit doute. Salut, Severa. Bon, après, ça se dessoude, ça se change, ça, c'est vraiment pas un souci. Ok, du coup, je garde ça, et puis surtout, je garde les convertisseurs porte-toile, parce qu'on va en parler juste après. Merci, Fantasy à la barre. Fantasy à la barre. J'essaie toujours de prononcer les noms à l'anglaise ou à l'américaine, ça me fait rire, mais en fait, c'est complètement con. ils sont doublés. Ah bon? Ah oui! Ouais, mais ouais, ah oui, attends. Ouais, mais je suis sur le mien, j'ai un noir d'un côté et un rouge de l'autre, donc ça veut dire. Ah oui, ils sont doublés, tu peux mettre deux. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Certes. On peut séparer les deux. Ouais, ça me semble quand même un poil léger quand même. Je pense que le câble, à mon avis, doit griller avant le convertisseur. Mais c'est pas grave, encore une fois, c'est pas, on n'en est pas là. Je veux dire, changer un câble, c'est vraiment pas un problème. C'est vraiment pas un problème. Alors, du coup, j'ai Eagle qui a démarré. On va pouvoir se lancer ça. Alors, garder fusion ouvert. Alors, ça, 9. On va rouvrir ce que j'avais déjà commencé à faire la dernière fois. C'est la carte e-stop. Yes. Et je l'avais pas routé encore parce que du coup il me restait quand même pas mal de taf dessus. Donc ça c'est la nouvelle carte que j'ai commencé à faire et qui remplace la nouvelle carte, l'ancienne carte. Hein. La grosse différence avec l'ancienne c'est que j'ai passé mes LED et mes résistances en CMS et plus en composants traversants. Mes connecteurs de sortie je suis passé en XT60, en XT30. Pardon. Du coup, ça va me permettre d'avoir des connecteurs qui sont un peu plus petits à gérer à l'intérieur du robot que les gros trucs que j'avais. Donc, sur la même carte, j'ai gagné deux connecteurs de sortie. Donc, c'est quand même, je suis quand même plutôt content. Et j'ai gagné aussi un emplacement pour un fusible de bagnole parce qu'on utilise des fusibles de bagnole dans nos robots depuis un petit moment. Le problème, c'est que voilà, le fusible, il est en ligne. Vous le voyez là, vraiment pourri. Voilà, et ça, c'est un truc que j'aime pas non plus. Voilà, il y a un câble qui passe avec le fusible qui est dedans. Et du coup, on est relié à la carte via nos câbles. Donc ça va pas du tout pour moi, ça. Donc là, maintenant, le problème ici est résolu. On a toujours le relais. Tiens, le relais, je vais le déplacer un petit peu vers le bas. Ma petite diode, mes sorties pour mes témoins, bref, tout ça était déjà entre de bonnes voies, et puis je vais pouvoir commencer à faire le routage en fait, tout calmement. Alors, est-ce que tout est bon? Non, il y avait un truc qui n'était pas bon. Et alors là, j'ai un petit doute sur comment faire. Je me demande si je le fais à la barbare ou pas. Je vous montre. Quelqu'un avait un conseil. Voilà. J'ai ça au-dessus de mes robots que je vais faire ajouter, qui sont juste des connecteurs XT30, XT60, pardon. L'idée étant que plutôt que de brancher. En fait, quand on fait nos tests, comme nos batteries sont un peu petites et du coup elles tiennent bien pour des matchs et pour des essais sur table, mais quand on fait des longs tests sur bureau, nous on utilise plutôt une alim stabilisée et on a un câble d'alimentation comme ça. L'idée c'était de pouvoir se brancher au-dessus, voilà, faites pas confiance, de pouvoir se brancher au-dessus pour éviter d'avoir le câble qui traîne par terre, voilà, de le mettre au-dessus. Donc ça c'est l'idée. Le souci c'est que le connecteur déjà tient vachement bien. Il fait que je les agrandisse un peu. Non, le souci c'est que je ne sais pas comment le brancher. Je ne sais pas si je fais un truc du genre je le plug directement à la barbare. Si je regarde mon schéma. Ah ouais, alors attendez, parce que le schéma c'est un peu le bordel. C'est vraiment le bordel. On va peut-être commencer à faire ça. C'est de tout bouger parce que là, ça ne va pas du tout, ça. Ça ne va pas du tout. En fait, la question, c'est est-ce que je me branche, je duplique l'entrée batterie et je fais attention de ne pas mettre et la batterie et l'alimentation.
Ou alors je fais autre chose. Voilà, je ne sais pas trop quelle est la meilleure idée là-dessus. Là, c'est vraiment bon, une question que je viens de me poser là à l'instant. Voilà, alors ça, c'est la partie. Voilà. Je vais mettre là, tout ça, c'est la partie indicateur. Ça, c'est la partie gestion du bouton d'arrêt d'urgence. Et ça, c'est mon VBAT. Et en fait, le VBAT, j'aurais pu le mettre directement ici. Voilà, et relier les deux. Ça aurait été beaucoup plus clair. Voilà. Vois ça. Voilà. Ça sera beaucoup plus clair comme ça pour moi. Hop, on va se rajouter une petite frame. Voilà, donc moi, ma question, c'est vraiment ça. C'est est-ce que je branche ça en direct? Comment ça, frame? Tu connais pas? Frame. Voilà. Non. Attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Ça a changé, ça? Non. Ça m'a fait peur. Voilà. Quand même beaucoup plus propre. Nickel. Alors, en parallèle, la batterie avant le fusil me semble bien. Tu peux mettre une diode pour protéger au cas où. Bah, c'est la question que je me pire. Au pire, si les deux sont connectés, à un moment, c'est pas bien grave. Moi, j'ai une LED qui m'indique si je suis connecté ou pas avec la batterie. Je suis déjà connecté avec la batterie, quel que soit si le bouton d'arrêt d'urgence est allumé ou pas. Donc je me dis que dans tous les cas, je le verrai et c'est pas trop grave. Je le fais déjà en fait aujourd'hui. Mais c'est vraiment la question que je me pose. En gros, c'est est-ce que ce connecteur-là, le U6 là, qui est ce connecteur-là, bah, je le duplique et j'en mets deux et c'est du parallèle quoi. Et alors, du coup, je vais avoir un petit problème de place. D'ailleurs, si on fait ça, on va devoir modifier un petit peu notre carte. Alors, comment va-t-on faire? On va. Oups, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, poussez-moi, excusez-vous. J'aurais pu tout sélectionner. Ah non. Est-ce que je peux remonter le carnet 10 000? Ouh. Ouais. Ça. Ouais, du coup, toi, Romain, tu le ferais en parallèle, quoi. Avant le fusible. Bah, typiquement, ça, quoi. J'en mets un là et un deuxième à côté, quoi. Bon, peut-être pas dans ce sens-là, d'ailleurs. Plutôt comme ça. Il y en a d'autres qui ont d'autres avis. En gros, moi, c'est ce que je pensais faire, hein, mais c'est vrai que je me suis posé la question de la diode, ouais. Mais alors, quelle diode mettre pour un truc pareil? C'est la question aussi que je me pose. En remontant ton relais, tu peux gagner pas mal de place puisque tes LED sont sur. Ah oui, bien, bien vu. Putain, heureusement que t'es là. T'as tout à fait raison, mes LED sont sur l'autre couche. Et j'avais fait ça justement pour remonter mon relais. Merci King. C'est le temps de me réapproprier la carte. Après, je ne peux pas gagner tant de place que ça, tu vois, parce que j'ai mon fusible qui est là et qui me prend masse de place. Surtout à cause des ailettes, mais je veux les garder parce que je veux pouvoir visser en fait mon porte-fusible. Mais je vais gagner un petit peu, hein, je vais gagner un petit peu. En gros, voilà l'idée. Et car CVR1, Romain, c'est de faire ça, quoi. J'alignerai ça bien tout à l'heure. Voilà. Oui, simple en parallèle, les années où on avait un PC dans le robot, on faisait du hot swap comme ça. Ah ouais? D'accord, ok. Alors, normalement, si je fais parallèle, j'ai le GND qui va passer là. Ces deux-là, ils vont être branchés ici. Je vais avoir un plan qui va être là. Ça, je vais pouvoir le faire passer ici. Donc ça, c'est nickel. Je pense que j'aurai pas trop de problèmes. Là, on va passer en dessous. Il n'y aura pas de souci. Ok. A priori, ça marche. Bon, je vais passer en parallèle parce que du coup, Super Balou, toi tu mettrais. Toi t'aurais mis une diode ici, quoi, en fait.
Voilà, pour faire passer dans un sens, mais pas dans l'autre, quoi. Ou là, d'ailleurs. Enfin, non, plutôt ici. Parce que ça, c'est mon connecteur. Je vais changer. Je vais mettre UBAT. Non, c'est ça. UALIM. Et là, je vais mettre UBAT. Voilà. Bon, après, est-ce que j'aurai de la place pour l'intégrer ce... Ça va pas être évident. Donc, on va le mettre là. Wow! Mais que fais-tu? Tu es remonté? On va bouger un peu ça. C'est bien, ça faisait longtemps que j'avais pas trop touché à Eagle. Il y a des composants pour faire ça plus propre, mais c'est pas vraiment utile dans ce cas. Enfin, de toute façon, ça va être très 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 léger comme truc. Il me semble effectivement qu'il y avait des choses qui pouvaient le faire. Mais le problème, c'est que voilà, c'est sur la puissance que je vais qui peut être développée. Ça me. C'est à 10 ampères. Commence à être un peu lourd. Oups, bon, je vais. Hop. Voilà, coupé. Salut Mesker. Mesker 140. Eh ben écoutez, on va commencer à router ça. Alors je regarde vite fait. Ouais, je me souviens avoir mis les LED de l'autre côté pour les avoir en transparence sur le carter du robot. Ce sera beaucoup plus efficace que de l'autre côté parce que sinon je les vois pas. La diode elle est bien là. On a de la place. Ah oui, je me posais la question parce que ça c'est des connecteurs pour pouvoir mettre mes indicateurs à l'extérieur. Ça c'est un connecteur pour le bouton d'arrêt d'urgence. Mais typiquement c'est les mêmes connecteurs. La question se pose de est-ce que je différencierais pas les connecteurs de LED des connecteurs du bouton d'arrêt d'urgence. Sachant que sur le connecteur du bouton d'arrêt d'urgence, j'ai un connecteur un peu plus gros. Je vais le mettre pour voir un peu ce que ça fait. Parce que c'était là-dessus, on s'était un peu arrêté la dernière fois. Alors, hein, c'est connecteur de puissance. Yes, voilà, c'est comme ça. Donc si je mets... Ah oui, c'est vrai que celui-là, il était un peu trop lesque. C'est que pour une raison... inconnu, les trucs sont inversés. Voilà, éviter que je me fasse avoir. Et donc lui, il est gros. Ah oui, il est très gros. Ouais, ça va, ça pourrait le faire en fait. Ça pourrait le faire parce que je peux bouger ça un petit peu sur les côtés. C'est-à-dire que comme le connecteur de mon bouton d'arrêt d'urgence arrive vers le haut, ça me paraîtrait déjà plus logique de mettre un connecteur coudé et un connecteur sur le top de la carte. Tu devrais changer. Salut Alex! Tu devrais changer le connecteur. Bon, alors on va le changer. Moi je suis assez d'accord avec ça. Ça m'embête un petit peu de ne pas le changer et de le garder comme ça. On va dégager celui-ci et le remplacer par celui-là. Après, c'est juste un simple bouton, donc j'ai pas besoin de... Ah, mon Dieu! Ouh, ce paquet est très, très bizarre. Ça sent un moment où je vais devoir changer un peu les paquets, là, parce que j'aime pas trop ce qui se passe. Et forcément, le GND est parti de l'autre côté. Parce que sinon ce serait trop simple. C'est pas grave. Ok. Alors. Bon bah là on est pas mal. Moi je me dis qu'on va se faire un plan de masse à l'arrière. Ça on va être tranquille déjà. Commencer par ça. Ouais, allez, go, c'est parti. Mets des 4 sur l'autre couche pour remonter ton relais. Mais ça sert à rien que je remonte mon relais en fait. Parce que de toute façon, je pourrais rien bouger d'autre en fait. Je suis bloqué par là, par ça.
et puis par mon fusible au final. Voilà, il y a ça, il y a ça. Je vais pas gagner grand-chose, hein. Je vais pas gagner grand-chose. En vrai, mon relais, il est bien, hein. Bon, elle remonte un petit peu, quoi. Mais... non, là, non, non, là, non, 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 attention. Non, ça, c'est pas bon, ça. Bon, donc, déjà, je vais faire mes plans. Ça va pas me... C'est la petite dimension de fusible pour voiture? Non, c'est la dimension standard. Il y a des... Attends, qu'est-ce que t'appelles petit? Là, il va me sortir un micro-fusible et je vais dire, mais oui, c'est ça qu'il me faut. Non, non, moi, c'est des... c'est ça. Techniquement, toujours trop petit. Cela. Voilà. Ma boîte de fusible, je sais pas où elle est, mais je peux te la retrouver. Et une carte légèrement plus large pour être un peu moins long. Tu en penses quoi? Bah, en fait, mon robot, il est designé spécifiquement pour cette carte-là. Et donc, du coup, je voulais pas changer la forme de la carte pour être encore compatible avec mon design de robot, en fait. Donc, dans l'idéal, je voudrais pas la changer, cette forme de carte, parce que je suis un peu ricrac sur les côtés à cause des aimants que je pose pour les boîtiers de batterie. Oui, il y a plus petit. C'est vrai! Ah non! Ah non! Il y a des micro-fusibles dans les voitures en dehors de ceux-là. Vous êtes sérieux? En même temps, bon, attendez, je vais regarder. En fait, je vais vous dire un truc, c'est que je pense que je ne les changerai pas, même s'il y avait plus petit, pour la simple et bonne raison que j'utilise ces fusibles-là aussi pour mon gros robot de combat et pour d'autres projets. Et donc, du coup, des fusibles, j'en ai plein. C'est un standard un peu chez moi, entre guillemets. Donc, je préfère garder mon standard à moi de tout changer sur tous mes robots. Est-ce que vous avez un lien? Non, pas de fusible. Les fusibles, c'est pour ceux qui doutent. Moi, j'ai jamais eu besoin de fusibles sur la coupe. Par contre, sur le robot de combat, heureusement que j'en avais eu. Parce que. Sinon, je crois que ça aurait été. Alors, c'est quoi, comment vous appelez ça? Micro-fusible? Micro-fusible voiture? Lol, ah. Ah merde, ah oui, il y a des small. Moi, j'ai medium, du coup. Ah oui, du coup, il y a même des small, quoi. Ah oui, alors en bagnole, moi je suis nul, hein, tu sais. Moi j'ai vu ça, je dis super. Ah oui, mais attends, mais c'est génial ça. Mini fusible, alors du coup, c'est ça le. D'accord. C'est vraiment plus petit, quoi. Bon, après, en un sens. C'est pas encore. Oh! Ah ouais! Ouais, c'est quand même mignon. Hein. C'est quand même très très mignon. Vous me faites douter là. Le problème, c'est que j'ai pas de paquet et je vais pas réussir à en trouver un pour Eagle. Écoutez, dans tous les cas, c'est pas très grave. Ça me fait changer juste cette partie-là. Je vais avoir deux fils à router. Bah, c'est pas non plus la mort. Et de toute façon, ma carte sera pas plus petite. La seule chose que je vais gagner, c'est peut-être de pouvoir ajouter un connecteur de puissance sur le côté. En soi, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est quelque chose qui est faisable et qui ne pourrit pas toute ma carte. Putain, c'est con ça. Je savais pas du tout ça. Mais faut comprendre un truc avec moi, c'est que déjà, j'ai pas le permis. Et vraiment, tout ce qui est mécanique, auto, machin, etc., tout ce qui touche à la voiture, c'est un monde qui m'a jamais particulièrement attiré. Donc, j'ai pas eu forcément. J'ai vu des fusibles une fois dans une bagnole, j'ai vu que ça ressemblait à ça. Et je me suis arrêté là, en fait. Et c'est con parce que, voilà, je devrais plus m'y intéresser. J'aurais pu découvrir ce genre de micro-truc-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Des mini-fusibles à la mini-hunter. Ça, c'est rigolo aussi, ça. Ah oui! Oui. Donc il y a des micros, des mini, des standards. Bon, bah écoutez, je vais m'y intéresser, puis j'essaie de trouver un petit package qui fait ça. Compiler, c'est tricher, tester, c'est douter. Il y a du support PCB pour les mini fusibles. Oh, alors attendez, parce que tu es nul en bagnole, alors tu peux dire que ça va entre le vilebrequin et le volant d'inertie. Bah, moi, je pense que ça, c'est les calipers. Ça, c'est pour le. Ça, à mon avis, ça, c'est les calipers à tous les coins.
Pas du tout. écoutez, si vous avez un package pour Eagle pendant que je fais mes plans de noces, moi ça m'intéresse. je veux bien l'implémenter. Si jamais c'est vendu chez Digiki, Keystone. Peut-être, écoute. Alors par contre, c'est quoi le... Attendez, je vais continuer ça. Je vais rester là-dessus. Et on va revenir juste après. Ouais, je vais mettre en 1000. Millimètres, c'est pas terrible. Hop. Zo. Hey, qu'est-ce que c'est que ça? Non, non, non. Voilà. Non. Non, 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 non. Non, non, non. Annulé. Je vais pas le mettre en top, je vais le mettre en bottom, mon plan, s'il vous plaît. Hop, voilà. Yes, ok. Je retourne revoir Fringe. Salut, bonne soirée. Farnel. Ah oui, ça ressemble à ça. Ah yes. 15 ampères. Ah, et c'est pour ça que je les utilisais pas sur les gros robots en fait. Que je désingle le 15 ampères largement, mais pour des petits robots, 15 ampères, c'est pour mes petits robots là, c'est largement suffisant. Ça c'est pour les mini, ça série mini. Alors on est chez Farnell, j'ai plus l'habitude de Farnell. Est-ce qu'ils ont un... Où est-ce qu'elle est, data sheet? Elle est là, data sheet. Alors, oula, mon Dieu. 15 références différentes. Ok. Ok. Nous, on avait prévu un fusible de 30 ampères. Mais du coup, celui-là, il ne fait pas. Il est limité à 15, non? Ou on s'en fout? Peut-être qu'on s'en fout. Regardons la data sheet. Oui, regardons la data sheet parce que. Je me suis fait avoir hier chez Radiosphere. Je cherchais un composant. Je trouve la référence du composant que je voulais chez Radiosphere. Je regarde la description chez Radiosphere. Il me marquait capteur de température. Alors qu'en fait, le capteur, il ne servait pas du tout à ça. C'était genre un oxymètre, quoi. Du coup, merci beaucoup, quoi. Ils ont aussi chez Digikey, si jamais. Finalement, on a tout un match avec un 5 ampères. Je crois que c'était un peu ça. Moi, l'année dernière, j'avais prévu un 15 ampères. Et j'ai fait tous mes matchs aussi avec un 5 ampères. Je m'en suis rendu compte à la fin de la coupe. Ils l'ont aussi chez Digiki. Alors, chez Digiki, est-ce qu'ils ont le modèle déjà? Parce que je sais que Digiki, des fois, te donne le modèle déjà fait. J'imagine que si je tape exactement. Alors, la référence fabricant. Ça tombe bien, chez Digiki, j'ai des commandes à faire. Espérant qu'il y ait. Hey, merci, Simim. Je le tente comme ça, juste avec la référence. Yeah. Ultra Librayan. Trop bien. Oh. J'ai peut-être pas mon compte. Alors. Se souvenir des mots de passe, c'est pour les faibles. Ah, attendez, je suis sur un truc très 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 con d'oubli de mots de passe. Merci beaucoup. Celui-ci, c'est pas le micro, non? T'en as un doc en micro, je l'ai vu passer. Tu essayes password? Non, non, mes mots de passe sont malheureusement beaucoup plus. Enfin, malheureusement. Non, pas malheureusement, ils sont un peu plus costauds que ça. Heureusement, on va dire. Alors, je réessaye. C'est vraiment très con d'être bloqué là-dessus. Le live du mot de passe. Non plus. Oh,
Non, t'es sérieux là? Ah! Ah! Yes, c'est bon, je l'ai. C'est quoi ça? J'ai oublié mon mot. Ou 1, 2, 3, 4. Alors non, je vous donne une astuce. Je sais pas comment vous faites vos mots de passe. Mais moi, c'est des répliques de films avec des lettres dans chaque mot. Et c'est toujours différent en fonction du mot et de la logique que j'ai derrière. Plus des caractères spéciaux, plus un chiffre à la fin. Voilà. Du coup, à partir du moment où j'ai la réplique, j'ai le mot de passe. Mais il faut que je me souvienne de la réplique. Et après, j'ai ma logique à moi en interne. C'est très con. Connecteur. Boum, boum, boum. Alors attendez, parce que vous m'avez dit, celui-là, c'est pas le mini. Non, c'est le mini, mais pas le micro. Et un gestionnaire de mots de passe, sinon. Alors le problème, c'est que j'ai plusieurs PC avec différents. J'ai un Mac, j'ai un PC sous Linux, j'ai mon fixe sous Windows, et en fait, au final, avoir ma propre logique interne, c'est plus simple pour moi, en fait. Alors, attendez, je remonte un petit peu. Celui-ci, pas le micro. Qui passe fonctionne sur toutes les arches. LastPass sous Mozilla. Ah, oui, aussi. Je mets bien config sur Git. Ah, c'est rigolo. Attendez, parce qu'il y a plusieurs. Là, ça, vous me dites que c'est le mini. 35 44 2. Alors, fiche technique, autofuse, drawing. Autofuse? Allez. Là, il va me sortir la même doc. Ah non, c'est une doc différente, tiens. Et donc, du coup, le note, c'est le 35 44 2. Alors, comment? 35 44, c'est cela. 35 44 2, c'est celui-ci. Et comment tu sais que c'est le mini, c'est la version mini ou la version micro? Ils te le disent pas, ça. Ah, pour mini. Et les micros, t'es lié à combien alors du coup? Bon, allez, on va aller chercher porte fusible. Montage en surface. On va pas dire. On va mettre le. Oh merde, 57. Super. Il donne pas si c'est du mini ou du micro du coup. Ouais, super. Miniature. Comment on peut savoir du coup? C'est quoi la règle entre mini et maxi, miniature, low profile? C'est low profile. Les mini low profile ont l'air cool. Alors, mini, miniature, low profile, ATT. Ok. Ça fait 10 minutes que je lui ai donné la bonne ref. Bah oui, bah c'est ce que j'ai utilisé, celle-ci. 35-44, mais vous me dites que c'est pas le. Qu'il y en a des plus petits. Mais il dit c'est pas la bonne. Mais si, regarde. Attends. Bah forcément, je suis parti. 35-44. Mais il y a les micros aussi. Low profile, miniature, c'est celle-là donc du coup. Non, pas le 35-44, le Keystone. 35-57-2. Ah ouais, mais attendez. Ah oui, je l'avais pas vu passer. Ok, autant pour moi, excuse-moi. C'est un peu compliqué de tout suivre en même temps. Ok, d'accord, donc c'est celui-là. Ok, par contre, lui, il n'y a pas le modèle. C'est pas grave. Drawing. Un fichier PDF, ok. On va mettre comme un sale sur le bureau. Alors, à quoi ressemble-t-il? D'accord. Ok. Ah ouais, c'est vraiment tout petit. Bah, en fait, le boîtier. Alors, si je regarde la taille du boîtier là, je vérifie. Hein. Ok, là, c'est
La différence en fait avec mon boîtier, c'est qu'il n'y a pas les, y a pas ça. Voilà. En largeur, je suis sur la même dimension. Par contre, en hauteur, je suis un peu plus petit. Effectivement. Ça, c'est pas normal, ça. Ah oui, non, c'est, je sais pourquoi. Donc, écoutez, on va, on va le refaire. J'avais pas prévu ça ce soir, mais c'est parti. Celui-là accueille toutes les tailles de fusible. Très bien ça. Allez, je récupère la même chose, donc c'est le 35-57. D'accord. Oh, putain, c'est un très très bon truc ça du coup. En plus, il lit que les derniers messages. Non mais hé, oh, ça va, hein. Je vais pas un live de lecture de live de chat, hein. Ça va être compliqué sinon. Enfin, au moins les standards et micro. Bah, c'est déjà pas mal. Ça veut dire que je peux continuer à utiliser mes standards que j'ai là, et à partir du moment où je passe sur des micros, bah, je pourrais aussi les utiliser quoi. Et au moins c'est un vrai boîtier qui se soude parce que tu vois ces trucs-là, c'est pas tellement fait pour quoi. C'était un peu de la récup quoi. Ok. Oh, ça c'est marrant aussi ça. En latéral comme ça. J'ai pas de la place, mais c'est intéressant. Un monde nouveau. Un monde nouveau. Bon bah écoutez, hop, on va le mettre sur le côté. Et puis bah c'est parti. Librairie, tout ça, tout ça. Alors. Je sais pas si je l'ai mise dans les caribous ou. Non, pas une motte. À mon avis. Diffuse, yes. Et ben, on va se créer une variante. Add footprint. Donc, c'est le 3557-2. Et je n'ai rien écrit, je sais pas où j'ai écrit. 3557-2. Catégorie just chatting, c'est ça. Un nouveau monde merveilleux, c'est merveilleux. Voilà. Avec sa voix, on n'est pas loin de ça. Vous voulez que je vous chante un rêve bleu? Vous n'avez pas envie de ça. Je vous jure que vous n'avez pas envie de ça. Ah non, pas en micro, on va rester en ville. Alors, je regarde le truc à côté. On va passer en niche. Pourquoi j'ai d'un coup envie de faire mon truc en inch, rajouter de la complexité. Alors j'essaie, alors c'est deux, d'accord, ok, comme ça, très bien. Non, je vais modifier et je le dupliquerai. C'est un peu Barry White ce soir. Ouais, je suis un peu j'ai un peu la voix qui part. Et c'est Barry White, et après je pars sur un truc un peu plus enfantin derrière. Une espèce de mue un peu dégueulasse. Alors, le drill, il est à 0,063. Ok. Nickel. Et on va le positionner. Alors. 0,500. Ok. C'est pas un passe standard, ça. Truc à la con. Alors, ici, je vais être en moins 0,265. Il y a. Et ici, 0,100. D'accord. Soit. 2, 6, 5, 0, 67. Ok. Alors c'est parti, on duplique.
Chat part en couille et il fait style de pas voir. Non, en vrai, je vois pas parce que vous êtes là, je regarde là, et en plus, je travaille là. Donc, c'est un poil compliqué si vous voulez. Qu'est-ce que vous me dites là? Stop avec les jingles. Il applique sa dictature avec un système de censure efficace. pas de jingle de création de porte fusible. Ah non, 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 non. Ah, si vous me trouvez un jingle de création spécifique de porte fusible, moi je veux bien. Hein. Mais on est quand même sur quelque chose de très 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 limite. 0,265,67. Attendez. Non, je me suis planté, ça c'est pas. Voilà. Ok, nickel. Stop avec les jingles. Barba président, il verra pas le pays qui brûle. Non, non, j'étais en live. Non, non, j'ai rien vu. Alors, notre petit boîtier là, on va quand même se le dessiner. C'est important. Oh. On va le loquer aussi. Éviter de faire des conneries. Ok. Et on va. Ah, du coup, vous m'envoyez des liens, j'ai peur de cliquer dessus. Jingle dictature? Qu'est-ce que c'est ça? Toi, comment créer un jingle en une minute? C'est gentil. Alors, pourquoi je me suis mis en ligne, je suis vraiment trop con. Du coup, j'ai ma tête qui est en train de faire des conversions à la con, mais c'est débile, ça me sert à rien. Et 15, donc 265. Quand ton clavier n'en fait qu'à sa tête, 132,5. Ouh. Là là, dis donc. Voilà. Bon bah voilà, notre petit boîtier, il est fait. On devrait faire un live jingle. Oh non, 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 ça devrait vite être chiant. Là, là c'est le jingle. Le bon, on va vite changer un truc. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Benny Hill. Ah bon, tout le monde connaît Benny Hill, du coup, je vais pas. Mais oui. Ok, good. Allez, on revient ici. On ouvre ce truc-là. New package, on va aller chercher notre 35. Voilà, bon, en fait, 35,57-2, tout simplement. Connect, alors voilà. Ok, ouh, ça c'est dégueulasse. Bon, je changerai tout à l'heure. Je vais quand même avancer sur l'autre truc. Yes. C'est pas libre de droit au fait. Je suis pas sûr. Je pense qu'ils ont racheté les droits. Un peu comme la chanson Joyeux anniversaire. Le genre de truc où ils régénèrent indéfiniment de manière inlassable les droits. Et donc du coup tu peux jamais utiliser ce genre de truc là. Mais Benny Hill, à mon avis, c'est pas libre de droit. Hein. Qu'est-ce que je fous là moi? Bonjour. Alors ici, on va changer le paquet. Alors, package, yes. Et ah oui, non, par contre, faut que je peut-être. Il faudrait peut-être que je l'update. Voilà. Nickel. Impeccable. Et du coup. Ah ouais! Gain de place plus plus. Merci, hein. Oh! Ah ouais! Là, ça change beaucoup de choses, quoi. Et du coup, ça veut dire que je peux rajouter des connecteurs sur les côtés. Oh, yes. C'est quoi la hauteur de ce truc-là? 7 mm. Ah, merde.
Je me suis dit que je pourrais peut-être aussi le faire, le mettre à, de l'autre côté de la carte pour pouvoir le faire passer à travers le carter. Mais là, on rentre dans des... Non, non, là, ça risque d'être la coterie. La petite connerie. Je suis un peu un boulet. Quoi? Pourquoi? Attends. Ah merde, le suspense est à son comble. Je vais devoir me refaire un café. Mauvaise ref. Merci, merci. Ah si, c'est la mauvaise ref, il a pété un fusil. Oh, il y a eu. Bonne ref, du coup. C'est la mauvaise ref, je me marre parce que c'est le gars qui m'a dit « Non mais je lui ai donné la bonne ref, il y a au moins 20 minutes. » Comment ça, c'est la mauvaise ref? Non, ça m'a l'air pas trop mal. Ça me semblait pas mal, hein. C'est celle-là, le profile. Ah, qu'est-ce qu'il m'envoie? Ouais, bah elle est là. Et du coup... Je comprends pas la... Pourquoi tu dis que t'es un boulet? Du coup... Donc ça, c'est sa carte. Je suppose. Ou pas. Si, je reconnais ce truc. Ok. Oui, du coup, c'est ce que t'as fait, toi. Tu l'as mis à l'extérieur. Mais moi, le mien, il est... Ah, j'ai pas suffisamment de place pour faire ça. À cet endroit-là. J'avais oublié que je l'utilisais pour mon surmo. Ah oui, pas mal. Je t'ai re-retrouvé la ref pendant ton live. Ah, c'est beau. C'est beau. Ça veut dire que tu as eu la même, le même cheminement de pensée que quand tu as fait ton robot, et ça, c'est quand même assez beau. Du coup, il a le paquet Eagle et il a oublié de te le donner. Non, parce qu'il bosse pas sous Eagle, Alf. Pourquoi vos messages, ils arrivent en rouge chez moi? Il bosse sur Altium, ouais. Attendez, pourquoi vos messages arrivent en rouge là? C'est pas normal, ça. Ah non, c'est quand vous me taguez sur OBS. J'avais jamais fait gaffe. C'est vachement agressif parce que du coup, je pensais qu'il y avait... on voyait pas le message et que j'étais parti en admin. Ouais, ok, d'accord. C'est un peu agressif. Eh ben, écoutez, moi, c'est très bien. Et du coup, là, effectivement, tu utilises les mêmes fusibles que moi, les grands, mais voilà. Ok. Et donc, on peut utiliser les deux. Nickel, bah écoutez, ça c'est fait, ça c'est fait, et c'est bien fait. C'est bien fait. Et du coup, je vais rajouter... Oh, je peux au moins en rajouter un. Allez. Va dupliquer ça. En plus, je pense qu'on avait regardé, mais entre Altium et Eagle, ça s'aime pas beaucoup. On n'avait pas réussi à faire passer des cartes entre nous deux. Nice! Nice, nice. C'est pas mal. On a aussi des petits en stock, enfin des micros, ok, d'accord. La couleur d'OBS, c'est pas la même que tout. Mais c'est pour ça que ça m'a surpris, en fait. Du coup, je me suis dit, merde, on voit pas vos messages et je comprenais pas. Parce que sous YouTube, quand t'as des messages qui s'affichent comme ça en rouge, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a mis une connerie, qui a mis un lien, ou que, enfin, je sais pas, pour une raison ou un autre, le bot le supprime, toi tu le vois, mais personne d'autre le voit, en fait. En fait, tu peux passer par Snap et Get qui aurait bien éliminé. Ah! J'avais jamais pensé à utiliser SnapEDA pour faire ça en fait. Ok, ça c'est intéressant parce que quand t'as pas la bonne lib. Après, SnapEDA en général, ils ont quand même beaucoup de libs qui sont compatibles avec Eagle, donc j'ai rarement le problème, mais. Je vais peut-être redescendre tout du coup d'un petit cran. Parce que en haut, je trouve que c'est un peu serré. Non, là il y avait un cran de trop là. Ok, nice. Du coup, maintenant que j'ai la masse qui est bien mise, l'isolation est pas fofolle là quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'augmente l'isolation? Me semble pas énorme. Ouvert qui canne, oui. Ouais, pour les composants, mais pas pour les cartes.
Bah là, le gap entre les deux. Bof. 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 Alors, du coup, moi j'ai ça. Alors, VBAT. Alors, je regarde un peu. Hein. Là, je peux faire un truc. Alors, j'étais parti pour faire un truc. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vais passer sur le top. Et en fait, mon idée, c'était de faire des grands polygones pour l'alimentation, tout simplement. Voilà, c'était de partir comme ça. Je sais pas s'il y a des règles particulières là-dessus. Voilà, peut-être je vais me faire défoncer par. Ah oui, alors par contre, j'ai pas mis de signal particulier, donc ça va être un peu dégueulasse, mais en gros, l'idée c'était ça. Oula, ça c'est moche ça. Utiliser Polygon pour les puissances, ça fonctionne bien. Ouais, la question que je me posais, c'est est-ce qu'il y a des règles de design là-dessus qui existent? Déjà pas ça, peut-être. Parce que j'ai le 24 qui sort au-dessus. Je me disais que si je peux faire un truc dans ce genre-là. Là, j'ai le VBAT. Tu commandes ta carte d'alim avec combien d'os d'ailleurs par curiosité? Ben, faut que je le calcule du coup parce que ben là comme ça j'ai pas beaucoup d'ampères là, je vais être à 5 ampères donc c'est pas énorme quoi sur du 22 volts, sur du 24 volts donc faut que je, en général, je prends un tout petit peu plus haut que mes cartes standard. J'ai plus la référence en tête. 2 os pour nous, ouais. Je crois qu'on est. Je vais pas dire de conneries, mais il me semble que c'est ce que j'avais pris l'année dernière. Tu peux presque faire une phase complète à 24, du coup, non? Bah non, parce que là, j'ai de la masse. Quand tu peux choisir la taille du tresse. Ouais, je sais, ouais. Ah, tu veux dire pour l'isolation? Oui, c'est pas con. Non, attends. Non, pour ça. Pour les. Ouais. Je vais peut-être l'augmenter, ouais. Attendez, je réfléchis en même temps. Non, je peux pas le faire. Parce que, tu vois, là, j'ai du VBAT. Parce que je passe par mon fusible. Et ici, j'ai ma sortie avec le 24. Donc, en fait, je vais avoir 3 polygones, quoi. Grosso modo. Alors, je sens que je suis un petit peu malade. Parce que je bloque sur des trucs. Un peu à la con. Yes. On va changer par ça. On va bouger ça. Ouais, tu vois, là, bof. Je suis pas ultra serein quand je fais ça, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression de faire quelque chose pas ouf. Alors, je vais le contourner, mais en fait, en vrai, je pourrais le superposer. Oh, qu'est-ce que je fais? Je le superpose et après, je lui dis fonction intelligente, magie, baguette magique. Magie, magie, vos idées ont du génie. Parce que là, du coup, il y a aussi juste le GND qui est là autour. Chez site. Allez, on va faire la technique de la magie. Hop. Ah bah non, c'est con parce que le VBAT, il arrive après là-bas. J'ai pas besoin d'aller aussi loin. Le BAU, il va être là. Juste que j'évite le 24. Voilà, on va faire la technique de la magie. Et ça, c'est VBAT.
Et normalement, je change le rank et ça doit marcher. Rank. Hop. Deux. Oui! Trop bien ça. C'est quoi ce logiciel Eagle? Ouais. Isolation et... Bon, bref, je changerai ça après. Ok. Voilà, ça sert à rien d'aller plus haut en fait. D'accord. Et puis là, du coup, le 24. Et ben, on va faire. On va faire la magie aussi. Quick. Toute façon, j'ai le GND qui route en dessous. Et là, plus 24. Voilà, on va changer le rank. Encore une fois, on va passer sur le 3. Et normalement, wouh! Ça c'est cool. Ça c'est très cool. Et ça, je vais pas les amener jusqu'en haut. Je vais amener juste celui-là en haut pour l'avoir égal. Oh, non, parce que je vais. Hey, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il est pas en dessous, normalement. On l'avait pas mis en dessous. Ah bah, du coup, j'ai mis Swiss fourvoyé. Je pensais qu'on l'avait mis en dessous. Bon, c'est pas plus mal. Le Vbat, il est là, du coup, je suis tranquille. Ah, c'est con, je suis connecté là. Et pas là. Ah bah non, je suis en dessous. Ok, mais écoute pas. Bah c'est très bien ça, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve ça très bien. Il a l'air un peu plus orphanique et Kikad. Bah franchement, je sais pas trop. J'ai un ami là qui commence à utiliser Kikad. Et j'ai regardé un peu avec lui, honnêtement, tu retrouves tes petits. Alors, par contre, c'est vrai que la version qu'ils sont en train de faire sous Fusion qui marche pas. donc, ils ont pris Eagle et ils sont en train de la mettre dans Fusion. Ils ont appelé ça Electronic Design. Elle est vraiment, vraiment plus user-friendly pour le coup. Et il y a des trucs qui font plaisir, sauf qu'elle est tellement buggée qu'elle est impossible à utiliser. Mais sinon, elle est quand même intéressante. Donc, pour ça. Maintenant, bon. L'avantage de KiCad, c'est que c'est libre et que ça fonctionne partout. Ok, alors du coup, je vais pouvoir router ça. Voilà. Arriver, droit. Hop là. Ok. Il y a une grosse mesure prévue pour mai, à ce que j'ai vu, reste à voir ce qui sera dedans. Eh ben en fait, il y a King qui me dit avec Alex aussi qu'il y avait une mise à jour qui était sortie de Fusion, j'ai installé, apparemment qui résout, enfin dans la liste des trucs que ça résout les problèmes que a priori King avait. Mais honnêtement, je suis vraiment vraiment pas serein pour passer dessus parce que tu fais une quinte sous le nouveau truc de fusion, tu ne peux pas la réutiliser. Enfin, normalement, la passerelle existe pour revenir sous Eagle. Mais là, deux fois où j'ai essayé, deux fois où ça a merdé, donc je vais pas perdre mon temps tant que c'est pas encore finalisé quoi. Ça me fait beaucoup beaucoup trop peur leur truc là. Donc je vais rester sur ma version à moi. Fait qu'il y a ça sur Mac Linux Win, c'est un gros plus. Ouais, bah oui, carrément. Ouais. Après, Eagle, tu l'as sous Mac, Linux et Windows hein, aussi. Hein. Ça, c'est plutôt le truc quoi. Anti-Fusion Action. Mais non, pas anti-Fusion, parce que Fusion en tant que logiciel de CAO, c'est bien. C'est anti-politique de merde de Autodesk, en fait. C'est ça le problème. Et du coup, moi, je dindonne là sur mon circuit parce qu'il n'y a rien à faire. En vrai, allez, hop, on passe en bottom. On arrête de tergiverser, de faire la poule, comme on dit. Hop, 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 voilà. Ça, c'est routé. On n'en parle plus. J'ai un VBAT qui va. Non, ça, c'est dégueulasse, ça. Non, non, non. On va le passer. Attends, où est-ce que tu étais en top, toi? Ah non.
Ah oui, pardon. Oula, excuse-moi, Coco, je n'avais pas compris. Je vais passer par. Je vais passer par trop de solutions, trop de solutions. Je vais passer par là. Nickel. Et du coup, j'ai le VAU qui est là-bas. Et ben, hop, on va te passer au milieu. Voilà. Nickel, et il reste le 24 à router. Et bien ça, c'est un peu l'avantage d'avoir des trucs en traversant, c'est que tu n'as pas besoin de faire deux. À quand Fusion sur toutes les plateformes surtout? Bah ouais, franchement, Fusion sur Linux, bah moi c'est bon, je passe sous Linux. Il n'y a plus que ça qui me fait chier en fait, pour passer sous Linux, honnêtement. Après, il y en a qui ont essayé avec des VM ou du Wine et ça a l'air de tourner. Mais bon, voilà, je sais pas trop. Comme SolidWorks avec leur rétrocompatibilité. Oh punaise! Oui, je suis d'accord. Kinkal progresse de fou à chaque release, mais ils partent de tellement loin. Honnêtement, franchement, là, j'ai fait du Kinkal là, cette nuit avec mon pote. Là, il m'a montré des trucs. Bah, franchement, j'étais sur le cul, hein. Je trouve ça fou, quoi. Des fonctions qu'on n'a pas sous Eagle, quoi. Quoi? Quoi? Ce serait trop quoi? Toujours pas de fricade. Non, toujours pas de fricade. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Je vais essayer de m'y mettre hein, quand j'aurai 10 ans à donner. Non, je suis dégueulasse. Non, 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 toujours pas de fricade. C'est vrai que c'est pas bien, c'est pas bien. Tu penses à quelle fonction de gigade? Ah, oh, je sais plus, j'ai vu beaucoup de trucs hier. Sur quoi on était? Il m'a montré un truc. Je sais plus, c'était des tout petits trucs. Et lui, il vient d'Eagle, donc on a parlé pas mal, et du coup, c'est vrai que ça avait l'air d'être facilité. Genre, par exemple, la recherche de composants, ne serait-ce que ça, par rapport à Eagle, la recherche de composants dans KiCad, c'est quand même autre chose, quoi. Les paquets d'origine, ils sont quand même mieux faits, quoi. Il y a pas mal de choses où tu sens que Eagle s'est un peu reposé sur ses lauriers, et KiCad a dit non, non, mais ça, on veut que ce soit mieux parce que c'est de la merde dans les autres logiciels, et boum, enfin dans les autres logiciels, j'en sais rien, mais en tout cas, dans Eagle, c'était le cas, et boum, ils te font un truc vraiment propre. J'aime pas ça. Ça, j'aime pas ça. Ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Après, il y a des trucs, ça nous a fait marrer, genre ils ont mis le ray tracing, tu vois, tu peux activer le ray tracing sur la génération des 3D des cartes. Bon, nous, on s'est dit que c'était trop drôle. Ça servait pas à grand-chose, mais bon. Ok, c'est good. Je découvre FreeCAD. Ah, je pourrais faire ça, hein. Je découvre FreeCAD. Je vais m'énerver comme un streamer sur un jeu. Ok, nickel. 3D pendant la conception. Dans les paquets d'origine KiCad, tu trouves 90% des composants qu'il te faut. Perso, je préfère KiCad à Eagle. Bah ouais, pour le coup, c'est vraiment cool, quoi. Bah, tu vois, typiquement, hier, on était en train de faire évoluer un design d'une carte. Et on était en train de rechercher des composants. Et du coup, je le vois taper dans ses trucs de recherche. Il trouve le composant. Moi, dans ma tête, j'ai fait. Mais c'est magique! Dans Eagle, c'est trop chiant! Mais c'est pas possible! Ah ouais, non, c'est vraiment ça qui m'a trop énervé, qui m'énerve encore hein, dans Eagle, quoi. Je crois que c'est ça, pour augmenter le. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Merde, j'ai complètement zappé. Où est-ce qu'on faisait ça? C'est de Padapad ou de Padawire? Ouais, c'est ça, de Padawire. J'étais dans les VIA, je suis con. Wire, wire? Wire, wire? Oui, les deux, en fait. Si je fais ça. Ah, voilà, il a besoin de monter. Nickel. Voilà, plus sécure, beaucoup plus sécure. Bizarrement, il ne vous a pas augmenté partout. Bon, ok, soit. Attends, il y a KiCad que dans Eagle pour dessiner les footprints, c'est tellement archaïque.
Oui, alors ça par contre, je reconnais que dans les deux cas, c'est pas foufou. Qu'est-ce que je fais, mon plan? Là, je le monte jusqu'en haut. Ça sert à quelque chose? Non, c'est complètement con, ça sert à rien. On va garder cette petite zone libre. Altium. je suis sur laquelle là? Je suis sur Cardistop, board. Dans 2020, donc oui, remove, yes. Je vais aller chercher un nouveau truc. Ah tiens, faut être riche, c'est clair, c'est clair. Très riche, très très riche. Faut savoir comment le craquer. Ouais, mais si tu veux rester dans la légalité, faut être riche. Après, il y a des moments où ça s'applique, hein, dans l'industrie, ça s'applique. Qu'est-ce que je cherche, moi? Le Caribou 2020. Électronique. Est-ce que j'ai fait des PCB? PCB, nickel. Et on va. Ah non, j'ai pas fait de. Bon, on va mettre là-dedans directement. Alors, qu'est-ce qu'il a pas? Il a pas le M1206 en résistance, assez con, parce que j'ai le paquet qui fonctionne bien. Le XT30, il l'a pas. Le CB1, il l'a pas. Le Molex, il l'a. Le NSK, il l'a pas. Et il a pas normalement le. Ah bon, il l'a, ça? Je l'avais fait, celui-là. Ah, je l'avais modélisé. Trop bien. Ok. Je fais une adresse email @fakeschool.edu. Là, je crois que dans Altium c'est possible. C'est vrai? Putain, c'est bien ça le partenariat là. Alors, allons voir dans Eagle ce qui s'est passé parce que ça c'est toujours. En général, ça marche pas trop mal dans ce sens-là. Ah, je sais pas si King il est encore là du coup, mais tu vois, c'est comme ça que je fais maintenant pour récupérer mes cartes, quoi. Carte e-stop, du coup, je l'ai. Bah, par contre, comme c'est des paquets à moi que j'ai fait, il n'y a aucun 3D. Mais. Enfin, bon, il n'y a pas aucun 3D, il y en a quelques-uns. Mais... Bah, qu'est-ce qu'il me disait? Ah non, c'est la résistance qu'il avait pas. C'est un peu con, ça. Ok, nickel. Bon, bah, top ça. Top. Du coup, bon, faut juste que je refasse mes paquets, mais et si je le compare à ma carte précédente, voilà, là vous voyez, j'ai ma voix qui part en sucette, et ça va faire que ça jusqu'à la fin. Carte puissance, je l'avais appelée. Ah, bah, c'est très con parce que c'est pas la carte puissance. Si je compare avec celle-là, donc voilà, donc les LED étaient en 3 mm traversant, pareil pour les résistances. J'avais que 4 connecteurs de sortie. Je devais brancher les câbles pour ma batterie. Le connecteur, bah où est-ce qu'il est? Ah, c'est même pas la bonne version, vous voyez. Pour le connecteur de bouton d'arrêt d'urgence, il est même pas sur celui-là. Ah, super. La diode était en traversant aussi. Forcément, j'avais pas le fusible directement dessus. Enfin bref, il manquait un paquet de trucs, quoi. Et là, par contre, bon bah voilà, là il n'y a pas de souci. Et du coup, qu'est-ce qu'il me dit? Et du coup, ça marche? Bah ouais, regarde, ça marche. Nickel. Ça marche impeccable, quoi. Et je crois, tu vois, si tu vas dans Edit là, tu fais Edit Eagle Profil et tu récupères. Alors là, c'est le profil d'Eagle, mais tu peux le coter derrière si tu veux. Hein, voilà. Et en théorie, de ce que j'avais déjà essayé, ça reste. Donc, si jamais j'enregistre les trucs, je fais Finish PCB, voilà, je sauvegarde, je vais fermer cette carte-là, je vais la réouvrir. Alors, par contre, il faut que je revienne dans 2020, électronique, PCB, il faut que je fasse par contre un petit. Voilà. Du coup, elle revient ici, et donc là, normalement, si je fais Edit. Et Edit Eagle, tu vois, regarde, tu gardes les cotations. Donc tu peux le changer, en fait. Tu peux le changer. Sur DigiKey, tu trouves presque tous les 3D en format step, si jamais. Oui, bah. Oui. En fait, généralement, je vais chercher chez DigiKey, pardon, chez Snapeda. Parce que des fois, j'ai la flemme d'aller chercher chez eux, mais je fais mon paquet à moi, mais je récupère le 3D. Et alors, un truc que j'utilise aussi souvent, c'est GrabCAD. C'est très con, mais ils ont des banques aussi pour les 3D. Après, quand c'est des paquets un peu standard, bah, mettons que je veux y aller chercher le 3D d'une résistance.
Bah, attendez, je vais vous montrer. Ah, c'est ça, ça c'est pas mal par contre dans la nouvelle version d'Eagle. C'est pas encore parfait, mais pour le coup, c'est hyper intéressant. Voilà, par exemple, j'ouvre ça et le connecteur, par exemple. Ah bah, attendez, on va essayer de faire un truc. Pour vous montrer, mais que ce soit quand même efficace, qu'est-ce qu'il n'y avait pas? Le XT30. Bon, bah, mettons que je veuille aller choper le XT30. Voilà, ça n'a pas de. Merci. Voilà, donc je vais aller là-dedans et je vais aller choper le 3D. Donc ça, c'est la partie 3D de mon connecteur XT30 qui est à un endroit improbable. Voilà, je vais à Edit. Et ce qui est plutôt cool, c'est leur paquet de générateurs qui est plutôt bien foutu pour le coup. Et quoi, on dit, c'est pour faire joli ou il y a une astuce derrière? Non, c'est particulièrement pour faire joli. Voilà. Mais d'un autre côté, les coins droits, ça s'accroche, tu peux pas caler ta carte au bon endroit, enfin bon, c'est chiant. Il y a deux trucs que j'aime bien faire sur mes cartes, c'est les coins arrondis et des trous de fixation, pas en M2 parce que ça m'énerve, mais au moins du M3, et essayer de standardiser les fixations. Ce que j'ai pas encore fait sur toutes les cartes de cette année, mais que je voudrais, c'est un truc que je voudrais modifier pour l'ensemble de mes cartes, pour que bah, sur un quadrillage de mon robot où je fixe mes cartes, je puisse les fixer n'importe où, et qu'au dernier moment, je puisse changer si jamais j'ai un problème, ou si jamais il y a une nouvelle carte qui arrive. Voilà, ça, c'est les deux trucs que j'aimerais bien... Enfin, ça, c'est le truc que j'aimerais bien rajouter, mais sinon, ouais, c'est trop M3, et coin arrondi pour le coup. Tu entends Romain, pas du M2. Le M2, ça devrait être interdit. Ça, c'est tous les gars qui font de la méca qui se disent non, arrêtez avec le M2, arrêtez. La carte, ça s'appelle la 3D ou faut la faire. Ben non, là, je la fais fabriquer là. Ou je la fabrique moi quand je peux en fraisage, ou je la fais fabriquer. Ah ben là, le quadrillage. Ouais, c'est. Attends. Je te montre ça. À l'intérieur, ah, je sais pas si ça se voit bien. Tu vois, il y a plein de trous là sur la carte de fond de panier là. Enfin, fond de panier. Le carter là qui est là, il y a plein de trous. Et en fait, ils sont en format normalisé. Ça veut dire que toutes mes cartes de type satellite, je peux les mettre n'importe où dans mon robot, à n'importe quel endroit, à 90 ou à 0 degré. Et par contre, les grandes cartes derrière, elles ont été faites avant ce système-là. Donc elles sont pas normalisées et j'aimerais bien les renormaliser pour l'année prochaine, ou alors prendre la norme de celle-ci et l'appliquer à mes cartes satellites. Mais ma carte satellite deviendrait trop grande. Du coup, il va falloir que je fasse un choix un jour. Mais j'ai vraiment envie de faire ça pour le coup. Allez, pourquoi pas de M2? Parce que c'est petit le M2. Et puis le M2, pour les entretoises, c'est chiant quoi. M14, ah non. Jamais osé le M14, je suis arrêté maintenant. T'as le M14. Mais oui, ça devient. Si on a eu M36 au boulot, si t'as besoin de l'aise. Ouais, le M36, ça commence à être costaud. Hein. M2, c'est parfait pour tenir une carte, pas besoin de plus gros. Bah écoute, moi je sais pas, je suis un peu entre les deux, tu vois. Je suis un peu entre la méca et l'élec. J'avoue que le M2, moi ça m'énerve un petit peu, quoi. Il y a des entretoises M2 si jamais. Ouais, je sais, mais. Je sais pas, le M2, ça me semble petit, quoi. Après, j'ai trop traîné avec des gars qui faisaient de la grosse méca de chantier et des grosses machines, et en dessous du M5, ils pleurent. Alors, t'imagines du M5, quoi. Quand tu leur dis, je vais mettre du M3, ils te font, oh, bon, du M3. M5. Putain, t'as vu la gueule des robots, t'as parlé du M5 là-dedans. Qu'est-ce que tu veux faire, l'axe de ton robot, quoi, je veux dire. Non, en plus, l'axe de ton robot, c'est du M8. Donc, bon. Package générateur, je reviens. Ah, ça, j'essaie de standardiser. Mais ben voilà, ben en fait, ça, c'est. Voilà, exactement. Un des trucs qui nous a fait choisir aussi le M3, c'est que tout notre robot, je pense à 80. Ben, là, ça a changé parce qu'avant, il y en avait un peu plus. Mais là, à 95%, c'est du M3. Ce qui va rester, c'est les axes moteurs, les petits trucs. Non, même dans les poulies, c'est du M3, parce que j'avais zappé, que j'avais réussi à trouver ça. Même dans les poulies, c'est le même tournevis et en M3, et donc du coup, c'est nickel. Ah non, en fait, j'ai du M3 partout. Bah, sauf sur les trucs que j'achète, genre les servomoteurs, c'est pas du M3 derrière, mais à part ça, c'est du M3 partout.
Pour tout ce qu'on fabrique, c'est du M3, quasiment. Donc ouais, ça standardise. Avec un tournevis, tu peux démonter quasiment tout le robot, quoi. Avec vis pour plastique, il n'y a pas besoin de tarauder, donc c'est plus facile. M3 cylindrique comme M4. Et M4 en tête fraisée. M3 cylindrique. Ah non, alors nous on n'est pas sur du M3 cylindrique, en tout cas pas partout, on est du M3 fraisé et du M3 bombé. 0406 sur la SMD de résistance. Ça sent le gars qui a dû les souder. Alors, le générateur. En fait, il y a trois manières de rajouter un paquet 3D. C'est soit tu upload le step, et voilà, tu vas le chercher, tu le mets, et puis basta. C'est ce qu'on va faire en fait avec le. Je vais essayer de choper un XT30 sur GrabCAD. Et il y a le add qui te permet de checker dans les modèles qui existent déjà. Donc, par exemple, si je fais XT. Alors. Pas dans mes modèles à moi, parce que mes modèles à moi c'est ceux que j'ai déjà créés et que j'ai déjà mis, donc voilà. Mais par contre, dans les modèles publics, peut-être que XT30 ils ont, c'est pas sûr, ouais, bon, c'est mal barré même. Donc ils n'ont pas, bah voilà, c'est pas grave, tant pis. Mais si jamais vous aviez trouvé votre paquet, bah, vous pourriez le mettre dedans. Ensuite, un autre truc, c'est que si le paquet est standard, vous pouvez le générer. En fait, à côté, et ça, c'est plutôt bien foutu. Par exemple, mettons que ça aurait été un paquet, bah, qui regarde un paquet DIP, par exemple. Bah, vous dites le nombre de pins, l'espacement, en fait, vous donnez toutes vos cotes, et boum, il te génère le paquet 3D, et tu peux le mettre. Ça peut être un peu long, mais voilà. Si tu veux mettre un paquet qui est un peu un paquet à la con, et bah, tu peux le faire à partir de ce truc-là. Donc, tu as le DIP, tu as tous les paquets standards, quoi, en fait. Hein. Là, je me suis jamais retrouvé un petit peu bloqué. J'ai vu des fois des paquets où, genre, il manquait une patte à certains endroits. Enfin, c'est vraiment des trucs très, très chelous. Et ça arrive pas souvent. Donc, bon, là, pour le coup, oui, effectivement, ça, il l'a pas. Mais sur les paquets standards, c'est plutôt bien foutu. What the fuck, c'est génial. Bah, t'avais jamais vu ça? Je vais juste. Et donc du coup, là on va aller sur GrabCAD, je vais aller, c'est ouvert ça. C'est genre j'ai monté ce truc. GrabCAD. Et puis on va taper XT30 et puis on va aller le choper, on va le positionner. Ah, tu sens que c'est le Covid. Hein. Putain, il y a des trucs partout en Covid. Ah, je suis connecté pour une fois. Il ne m'a pas déconnecté ce con. XT30, nickel. Eh bien écoutez, voilà. Rien de plus. Tu connaissais pas ça, King, du coup, si tu me fais peur là. Parce que c'est vraiment vraiment cool hein, pour le coup ça. 4 parts. Non, pas un 4, y a un step me suffira. Ah, par contre, c'est un step qui est pas coloré. Oh, je vais être obligé de le réouvrir dans. Bah, tant pis. Là, on va le réouvrir dans Fusion. On va aller dans. Électronique, composant, voilà, on va l'importer. Non, du tout, mais c'est nouveau. Bah non, c'est pas nouveau, c'est genre, bon, ça doit faire 1 an et demi, 2 ans que je l'utilise, moi, à peu près. Et alors après, me fais pas dire ce que j'ai pas dit, il y a eu des modifs et ça s'est amélioré. Avant, c'était pas aussi bien que ça. Mais non, sinon, c'est quand même assez vieux, quoi, en fait. Et le générateur est bien, quoi. Le générateur est bien, et avec Alban, on en a fait genre plein des paquets comme ça pour nos libs. Bah, avant qu'il passe à Kikane, en fait, c'est un peu con, parce qu'il a passé un nombre incalculable d'heures là-dessus. Et ça marche bien, honnêtement, ça marche très bien. Bon, ça par contre, c'est plus long. Ah, je veux uploader un step. Putain, ça, c'est vraiment le truc chiant par contre dans Fusion. C'est que tu sens que tout est dans le cloud, tu veux ouvrir un step, il faut que tu l'uploades, et après, voilà, et après tu peux l'ouvrir. Bon. Soit. Hein. On le sait, hein, on le sait. Ça nous appartient plus, tout ça. Bon, je vais fermer ça sert à rien. Voilà. Du coup, on va appliquer des matériaux. Alors, comment ils sont faits les bodies? Ah, j'ai qu'un seul body. Magnifique! Magnifique. Alors ça c'est beau ça. Ça c'est génial. Ça j'avoue, je m'y attendais pas. Voilà, tant pis. Métal. Qu'est-ce qu'il peut en... Allez, on va mettre ça.
On va utiliser le face. C'est très beau, c'est très clinquant. Voilà. Hop, nickel. Et puis ça, on va le réexporter en STP. Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, donc il repart en step. Export 1, V2, step. Is ready ou is done? Bon, ben on va voir. Et là, je vais faire upload. Un café, hein, je suis presque partout pour un café. Ouais. Ce serait pas mal là. Tu mets un connecteur mâle là? Oui. Non, femelle. Femelle, bien sûr. Ça va faire joli dans le rendu réaliste. Ça va surtout alourdir à mort mon truc. Non, il allège un petit peu le modèle, heureusement, parce que sinon. C'est surtout pour avoir une teinte, quoi. Bon, qu'est-ce que je cherche, moi? Oh là, je l'ai mise sur le bureau, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Donc là, boum, ça arrive, ça va se. Ah, tu vois, il le convertit quand même. Donc lui, il va récupérer une teinte générale, mais il va pas récupérer, par exemple, tout ce qui est enfin, lumière, réflexion, tout ça, matériaux, et ça, il s'en fout. Enfin, c'est juste pour me faire marrer, ça. Puis c'est là où tu arrives avec 1200 body dans ton truc et tu fais, mais pourquoi ça lag? Voilà. Voilà. Du coup, tchouk. Dans quel sens? C'est bien le moins, c'est le plus. Hop, on va faire tourner à 90. Et normalement, si j'ai bien fait mon truc, nickel. Ah non, ça c'est moche, ça c'est chiant, ça. C'est vraiment le truc très con, ça par contre. À part ça, c'est bien. Nickel. Voilà. Et là, on sauvegarde. On fait OK. Il va nous dire est-ce que vous voulez créer une version? On fait oui, créer une version. Là, il download. Voilà. Là, on va créer la nouvelle version de la librairie pour pouvoir la sauvegarder. Voilà. Sinon, en fait, il va pas nous l'ouvrir. Et en fait, à partir de ce moment-là, quand je vais l'uploader dans mon schéma, je vais pouvoir récupérer la 3D de ce truc-là, en théorie. Voilà, je vais le faire un par un, mais en théorie, je ferai tout et puis je ferai une seule version, quoi. Je reviens ici, boum. Alors, je fais jamais upload parce que sinon, c'est trop trop lourd. Là, ça va assez vite de le faire comme ça. Pourquoi tu. Ah bon? Pourquoi tu me demandes de check? Bah non, il n'y a rien. Oh! Dis donc, hein. Et là, du coup, on va faire push to fusion. Voilà. Et là, par contre, normalement, le XT30, il me dit que c'est OK. Donc, on va l'envoyer. Et. Ah, non, c'est bon. Sauf que tu as pris le mâle là où tu voulais un femelle. Tu as mis un mâle, tu voulais. Attendez, qu'est-ce que j'ai dit là? Je me suis peut-être inversé les pinceaux. Là, j'ai mis un mâle là. Donc, c'est bon. C'est ce que je voulais, un mâle. Attendez. Ouais, je mets ça dessus. Je me suis trompé. Vous me mettez le doute. Ouais, c'est peut-être moi qui me suis trompé en le disant. Non, non, regardez. Pécam, c'est ça. C'est ce modèle-là que je veux. On a dit que tu mettais une femelle. Ah, ok, désolé. Oh là, oh là, oh là. Désolé. Ok, c'est pour moi. C'est pour moi. Je me suis peut-être inversé les pinceaux. Je vous ai dit, hein, j'étais pas dans un état oufissime. Eh, hey, regardez. Les XT30, ils sont arrivés. Voilà. Ouh. Ça, c'est quand même cool. C'est quoi ça? La caméra qui est en orthographique. Au secours. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à faire ça avec les XT60. De court-circuit, du coup. Allez, on lance le rendu. Non, jamais. T'as pas peur du risque de court-circuit? De court-circuit? Ah, s'il y a un truc qui tombe dessus? Et pas en grammatique. Bah, en fait, ma carte, elle est pas à plat comme ça, elle est comme ça. Donc, déjà, pour qu'il y ait quelque chose qui touche à cet endroit-là, effectivement, c'est un peu violent. Et en général, quand je mets ces connecteurs-là, en fait, je capse.
Je ferme en fait ceux qui sont pas utilisés avec une petite pièce en impression 3D. Du coup, a priori, ceux qui sont utilisés, bah, il y a quelque chose dessus. Ceux qui sont pas utilisés, il y a un caps pour les protéger en fait. La caméra en grammatical. Ça serait drôle. Orthographique, perspective, grammatical. Donc voilà, bon, normalement je devrais faire ça avec tous les packages, mais voilà, c'est pas. Pas faire, ça sert à rien quoi. Là, il mine juste le XT. Le XT60 me semble pas du tout à la bonne taille. Je vais peut-être le faire avec le XT60 quand même, par contre. J'ai un genre de vieux doute sur le XT60. Voilà. Alors là. Oh! Il y en a qui l'ont fait, c'est con parce que je l'ai refait. C'est un peu dommage. Alors lui, alors, il l'a en step. On va le prendre en step. Ah, ça c'est dégueulasse. Qui a gribouillé son truc en mode Ah merde, j'ai oublié de dire que c'était du. Ça c'est pas très bon. Mal connecteur step. Allez, go. C'est parti. Bah oui, il est moins large que ça. Qu'est-ce que j'ai foutu moi sur mon. Alors là, je vais pouvoir le mettre directement. Là. Du coup, je vais pas repasser par le. Voilà, j'ai vraiment ma voix qui est en train de partir là. Oui, c'est bon, ça. J'ai fini moi. XT60. Du coup, tes câbles, c'est femelle, femelle. Du coup, mes câbles, c'est. Non, femelle, mâle. Non, attends. Mais non. Mais non, mais non, mais non. LOL du 2.5. Ah, moi, c'était plutôt la notation. Merci, Xalek. Du coup, tes câbles, c'est femelle. Oui, oui, pardon. En XT30, mes câbles, c'est femelle, femelle. Et en XT. En XT 60, ça va être femelle, mâle. Ouais, ça tient, femelle, femelle. Non, c'est bon, pour moi c'est logique. Pour moi c'est logique. Pour vous c'est pas logique? Non, moi ça me semble. Ça me choque pas. Alors c'est peut-être. Dites-moi si ça vous choque. Est-ce que vous vous sentez choqué? Non, parce qu'en fait, finalement, mes connecteurs que j'ai déjà actuellement, c'est aussi du femelle-femelle. En fait, c'est juste que c'est pas les mêmes connecteurs. Mais c'est du femelle-femelle entre les deux. En fait, j'ai toujours fait comme ça. En vrai, je me suis jamais vraiment, véritablement posé ma de question, en fait. Si, c'est un choix. Ok, d'accord. Non, non, mais je. En fait, des fois, enfin, c'est toujours pareil, il faut toujours, quand il y a une question comme ça, il faut aussi se remettre un petit peu en question. C'est pas parce que tu l'as fait toute ta vie que c'est forcément bon. Et là, je t'avoue que j'ai pas trop réfléchi à ça. Oh, il n'est pas centré. Oh non, ça par contre, il va y avoir un peu plus de taf. Et. Putain, la 3D dans cet outil-là, c'est un concept. Bon, après, ouais, non, mais qu'est-ce que j'ai foutu, moi? Je crois que j'ai dû prendre très large le jour où je l'ai fait. Parce que je me suis dit, il faut pas que je les colle. Au cas où je devrais. Non, mais attendez, c'est pas du tout bon, ça, en fait. Alors, c'est bizarre, parce que ce package-là, j'ai déjà utilisé, je sais qu'il fonctionne. Et là, il fonctionne pas. Est-ce que c'est pas la 3D là qui est aux fraises? Perso, j'ai une préférence pour toujours avoir les sources batterie sorties de la carte d'alim en femelle et les inputs en mâle. Ça évite d'avoir des parties que tu peux facilement contacter et qui sont énergisées. C'est vrai que c'est pas bête, non, mais en fait, j'y avais jamais vraiment pensé. Et t'as raison en fait. T'as raison. Faire les femelles. Ben oui, mais alors attendez, parce que.
Ah oui, sur les connecteurs de puissance. Ouais, vous voyez, tu vois, sur tous mes connecteurs de puissance, j'ai toujours eu l'inverse. Et c'est vrai que vous avez complètement raison. Bon, là, l'avantage, c'est qu'il y a un truc autour et qu'il y a moyen de le capser. Mais par exemple, sur mes cartes, j'ai jamais eu de problème, mais en vrai, c'est une vraie problématique, ça. C'est une vraie problématique. Bon, de toute façon, l'empreinte est la même, donc. Non, non, mais. Ça mérite réflexion, du coup. En soi, ça ne me change rien sur les cartes. Mais derrière, il faut que j'y pense à un moment de souder. Donc, effectivement, ce serait peut-être plutôt l'inverse. Mais tu vois, par contre, si je reviens. Ce qui est marrant, hein, parce que même si ça paraît logique, si je reviens sur le truc qu'on a trouvé tout à l'heure. Des connecteurs coudés comme ça, tu les as que en mâle, tu les as pas en femelle en fait. C'est pour ça en fait que je me suis jamais posé la question, tu vois, parce que ça c'est typiquement le truc que tu peux souder sur une carte qui va te faire ton entrée d'alim. Et pourtant, et en fait, une des raisons pour lesquelles moi j'ai choisi de faire comme ça, c'est parce que ah non, mais c'est pas pour l'entrée que vous disiez, c'est pour la sortie. Oui, pardon. Mais du coup, ouais, c'est vrai que la question se pose aussi pour la sortie. En femelle. IPT? Non. Je bug, hein. Ouais, mais là, il a mis les deux. Je suis pas sûr que le IPT y prenne mon coco. Comme une hippo, quoi. Oui. On a bien de barbe à C'est dur hein, pour moi ce soir, je vous avoue. Ouais. Tu as branché une batterie là-dessus. Oui, ils sont prévus pour brancher une lipo. Du coup, c'est un condom pit. Oui, du coup, c'est bon. On est d'accord. Non, c'est l'inverse, je suis con. Oui, c'est ça. Plutôt l'inverse. C'est quoi ça? Ah, du coup, tu l'as aussi, ça existe aussi. Miam, miam, miam. Mais j'ai vu moins de ce genre-là, en fait. Ah, c'est marrant, GoBuildage, je leur ai envoyé un mail. Ils ont des super moteurs. D'ailleurs. Oh. Ah ouais. Classe. Ça, c'est très très bon, ça. Ça me donne des idées, ça tient. Je suis toujours dans toutes les variantes, c'est quand même. Ouais, c'est vrai. Pourquoi je me pose la question, en vrai. Ok, eh ben, écoutez, eh ben, je vais prendre. Je pense que je vais tout simplement partir là-dessus. Vous avez complètement raison, en fait. Pour les sorties. Alors, par contre, du coup, je vais quand même accepter cette version-là. Et repartir sur ma XT30, le changer. Ah oui, mais alors par contre, un IPT, il va pas vous. Ah, il me le prend. Ah non, il ne le prend pas. Bien. Du coup, fusion. Alors, En espérant qu'il me le prenne. C'est quoi du IPT d'ailleurs? Je me souviens plus de ça. Bon, apparemment, ça le choque pas. Il y a même des variantes à trois brosses assez jolies. Ah oui, c'est vrai, ça j'en avais déjà vu ça. Pour les IPT, c'est Inventor. Ah bon bah voilà, bah, du coup ça devrait aller alors. Ouf. C'est le moment où j'inverse les lettres et les mots.
Ça a l'air d'être pas trop mal intégré. Ça a l'air d'être même plus simple et plus léger comme fichier, j'ai l'impression. Bon, faut quand même que je l'exporte en step, mais bon. Ça veut dire que moi, de mon autre côté, il va falloir que je fasse des entrées mâles. Non, femelle, je vais y arriver. Non, mâle. Pour ma carte de puissance. Pour ma carte de régulation, mes cartes de régulation. Ok. Gnie. C'est ça. C'est exactement ça. Gnie. Mâle? Non? Femelle? Il ne l'a pas pris? Attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Mon cerveau ne fonctionne pas du tout. C'est pas un mâle, ça. Pourquoi il a appelé ça mâle? Putain, sérieux, quoi? Ah! C'est un connecteur femelle, ça, on est d'accord. Oh là là, mais non, mais si. Bon, je le renomme complètement. XT30. Elle. Mal. Oula. Il a inversé aussi. Oh là là, mais au secours, quoi. Au secours. Export. Fimal. Oui. Oui, merci. Merci beaucoup, oui. Is ready. Eh ben, je vous remercie bien. Eh ben, je l'ai là, en F3D. Et non! Eh ben non! Eh ben non! Eh ben non, parce que j'ai été beaucoup trop vite. Voilà. Oh, putain. Ah! Step. Export. Yes. C'est good. Viens ici, mon coco. Viens ici. J'ai un vieux doute d'un coup. Ouais, c'est bon. Ouf! Le virus se propage. Ouais. Tu peux donc mettre les deux variantes de package dans Eagle, non? Bah en fait, il faut juste que je reduplique le package pour lui redonner un. En fait, il faudrait que je mette XT30 femelle, XT30 mâle, et que je mette deux 3D différents, mais le même footprint. Je pourrais, hein. Je pourrais. Alors c'est bien, il me l'a pas, il est pas du tout centré dans un repère. Ah ouais, pas génial, génial, c'est pas du tout au bon endroit. Le repère il est en haut. L'enfer. Heureusement que tu n'utilises pas ces fichiers-là pour la prod, quoi. Je te jure. Alors heureusement que c'est pour de la visu uniquement quoi. Voilà. Je sais pas si c'est bon, mais. Oh si ça a l'air pas trop mal. Peut-être plus me fier au package. Au footprint, pardon. Salut Mesker, bonne soirée. Moi, je prévois de souder directement des connecteurs bullet sur les fils et les fils directement sur les câbles. Ah, du coup, tu fais l'inverse de ce que moi j'ai fait. Tu vois. Moi, j'étais sur du câble, je suis revenu au connecteur et toi, tu vas repasser au câble. Mais c'est parce que tu as un problème de place, peut-être. Bien sûr, gain thermo de couleur pour ne pas tromper de polarité. Et il y a, tout à fait. Le lien live des connecteurs. Ouais, je m'attendais pas à faire ça. Hein. L'origine étant. Je pense que c'est pas être super veillé et qu'on me fait en sortie de souvenir. Bah c'est pour ça que je suis revenu. Merci Bobico. C'est pour ça que je suis revenu en arrière moi, honnêtement. Parce que justement j'avais peur de ça. J'avais peur d'avoir comment une faiblesse sur les câbles. Enfin, c'est pas que j'avais peur, c'est que je l'ai remarqué en fait. Fimal. Du coup si je fais ça. Pas le renommer en fait. Là, il se garde à X30.
Ça, c'est un peu con. Va falloir que je le change autre part. Bon, pas ce soir. Qu'est-ce qu'on dit, Hegel? Pas ce soir. Pas aujourd'hui. On a ça sur le premier câble. C'est un peu chiant pour câbler. Faut que je précise que les câbles seront sertis sur des cosses soudées. Bah, du coup, la fragilité, tu ne l'auras pas. Après, si tu dois changer ton câble pour avoir quelque chose de plus long, tu vas rechanger, tu vas rallonger du côté des connecteurs belettes, non? Comment tu vas faire? Une vraie question, hein, pas une critique du tout, c'est juste pour être sûr de comprendre. Update? Oui, je veux bien. Hop. Allez, zou, fusion, push, push. Tu remplaces le câble. Ok, ouais. Ouais, dans ce cas-là. Du coup, ça veut dire que ta sortie, elle est. Ouais. Ouais, je dis ça se tente, hein. Ben, ça sera déjà beaucoup plus solide que de souder directement le câble sur les cartes. Ça, c'est sûr. T'auras pas les mêmes problèmes que ce que nous, on a eu. D'accord, ok. Écoute, si elle garde la même disposition. C'est vrai que ton câblage a quand même très peu de chances de changer, c'est ça que tu dis, hein, au final. Oh, ils ont changé le petit logo ici. Oui, je veux. Par contre, ils ont changé le logo du bouton, mais le bouton ne fonctionne pas. Génial. Merci beaucoup. Ou alors, c'est pas un bouton. C'est juste pour me dire. Ah non, c'est juste pour me dire que si jamais je suis en train de travailler sur une autre version du composant. Du coup, si je fais fermer ça et réouvrir ça, non, c'est bon. Ah, je vais avoir mes XT60 si j'avais oublié que j'avais fait ça. En fait, mes cartes, je ne fais ça que pour les câbles de puissance qui restent assez courts. D'accord. Prochaine fois sur deux, ce bouton, j'ai l'impression. Mais je crois qu'ils ont changé la fonctionnalité de ce bouton, en fait. C'est qu'avant, ça te permettait de régénérer ton truc. Là, l'idée, c'est que tu gardes ta version et tu fais une branche différente, en fait, j'ai l'impression. Ok. Et du coup, sur l'empreinte, j'ai mis énormément de latitude, quoi. Par contre, ce qui me fait peur, c'est ça, quoi. Bah, ça sera. Va falloir que je check ça, quoi. C'est pas bon, ça. Il y a un vrai problème dans mon. Attendez. J'en ai là, on va mesurer. Mais attendez, on peut même mesurer directement ici. Non, très mauvaise idée en fait, c'est ça. Merci. Dégager les canevas. Voilà. Voilà, entre là et là, j'ai. Ça me semble bon, il me semble de mémoire que c'est ça. Bah oui, c'est ça. Le mec, c'est 11,4. Le minimum distance, c'est combien? C'est 2,5. Je suis même encore plus tolérant en fait. Maintenant, c'est le modèle 3D qui est aux fraises là. Bah là, je m'en fous un peu. C'est comme c'est un contacteur. Je réponds à Julien hein, du coup. Du coup, même question pour le connecteur puissance qui part vers le connecteur sur le haut du robot, mâle ou femelle. Ici, là, c'est un contacteur, donc en soi, je m'en fous, et ça sera toujours relié au bouton d'arrêt d'urgence, donc il n'y a pas de problème. Ah non, pour le. Ben non, parce qu'en fait, là par contre, oui, tu as raison. Ah ben non, c'est bon ça. Regarde. Ah oui! Ah oui, tu veux dire que du coup, j'aurais du 24 qui va aller dessus, quoi. Tu as raison, maintenant. Pour expliquer, hein, il parle de ce connecteur-là.
Et ce connecteur-là, maintenant, il est branché sur la carte et il arrive là. Mais du coup, si ma batterie est alimentée là, eh ben, je vais avoir du 24 au-dessus. D'où, là, on revient sur la proposition de Super Balou de mettre une diode. Enfin, en tout cas, un système pour éviter ça à dimensionner, du coup. Sert à quoi le connecteur sur le toit? Le connecteur sur le toit, il me sert à brancher ça quand on fait des essais. À se brancher sur la lime, en fait. Donc, en gros, l'idée c'est que ça va à la lime et ça vient se brancher au-dessus, quoi. Ou alors, en fait, c'était soit ça, soit on a des batteries gigantesques, 6S à 8000 mAh. Que je peux poser en fait sur le toit du robot et pouvoir faire mes tests de manière plus grande. En gros, l'idée c'est que je suis au bureau, je développe là sur mon bureau, j'utilise ça. Je dois aller sur table de match et je sais que je dois faire des tests pendant très longtemps et qui va bouger dans tous les sens et je suis loin de mon alim et j'ai pas envie de me mélanger les câbles. Je prends ma grosse batterie de 8000 mAh, je la mets dans le au-dessus du mat de balise. Et si jamais bah, je suis en match, et bah, du coup j'utilise la batterie en dessous en fait. Du coup, je me demandais peut-être s'il ne faudrait pas le capser par contre ça. Parce que je veux garder ce connecteur-là dans ce sens-là, puisque c'est là-dessus que je vais venir brancher une autre batterie en fait, qui sera une XT60 aussi en fait. Donc j'ai pas envie de changer, j'ai envie de garder cette solution-là plus simple. Donc le mieux, c'est un relais. Alors là, par contre, sur la 15, ça va commencer à faire du monde, quoi. Je vais plus avoir beaucoup de place pour. Tu vas rajouter un autre petit relais pour faire ça ici, derrière. Qu'est-ce que je pourrais choisir? Je reviens sur les gueules. Ouais, il y a des trucs qui me font mal là sur le schéma, il va falloir que je change. Qui switch quand on branche un aliment? Ouais. Ou juste une diode, c'est ça. Ouais, ça fait une grosse diode, ouais. Oui, voilà, ouais. On revient sur la même question que j'avais tout à l'heure. C'est l'ajout de ce connecteur-là, il est pas, il est un peu impactant quand même. Ouais, alors oui, t'as raison, Julien. Dans l'absolu, c'est ce qui peut se passer. Après, honnêtement, chez nous, les batteries, en fait, à partir du moment où elles sont dans le robot, t'as un beeper dessus et généralement à la fin des matchs les batteries elles sont directement enlevées en fait. On laisse jamais en fait une batterie dans un robot. Nous c'est fin du match, la batterie elle est enlevée, elle est posée à côté. Le risque il est plus sur quand on fait des essais sur table en fait et qu'on bidouille des trucs. Voilà, moi le risque il est plutôt là-dessus. Ouais, un chip de PowerPass, c'est la bonne solution, mais bon, c'est overkill. C'est un peu overkill, ouais. Ah, ouais, bah ouais, mais du coup, on fait gaffe. Et vraiment, ce connecteur-là, je me suis dit, bon, je le mets parce que je trouve ça intéressant. Parce qu'en fait, ce qu'on faisait avant, c'est que ce câble-là, en gros, on le branchait à la place de la batterie, en fait. C'était, en gros, on mettait une demi-batterie, quoi. On le branchait là, et puis on avait les câbles qui remontaient, quoi. Mais c'était un peu chiant, je trouvais ça intéressant d'avoir, tu vois, le connecteur au-dessus. Mais en vrai, depuis que je l'ai mis, à chaque fois que j'y réfléchis, je me dis, ah, il y a quand même un sacré paquet de trucs qui peuvent se passer et qui sont risqués, quoi. Parce que du coup, ça fait une batterie, ça fait une diode. Ça fait une diode qui va avoir passé du 24 volts. 5 ampères. Parce que de toute façon, mon alim, elle ne va pas plus haut.
film. Non, mon avis ne va pas plus haut. J'arriverai jamais à aller à plus de 5 ampères. Toujours avoir un sac de sable. Ouais, se balader avec nos sacs de sable. C'est parce que vous vomissez la nuit? Non, non, c'est pour nos batteries. Aussi parce qu'on vomit la nuit. Ta batterie 8 kAh, fait probablement plus de 50 A. Ah oui, ça c'est si je suis sur ma batterie. Si je suis plus sur mon alimentation. C'est vrai aussi. Je crois que c'est du 60C ou du 70C. On fait les calculs, c'est assez énorme. Tu peux pas faire une mini-carte pour mettre en haut du robot? Si, je peux faire une mini-carte pour mettre en haut du robot. C'est aussi une possibilité. On rajoute une carte. En fait, c'est une carte qui va servir que sur ce truc-là. En gros, je laisse mon connecteur là. Je laisse ce connecteur ici, dispo. Et par contre, je mets une. Je ferai ça à part, un circuit à part pour gérer ça, quoi. Que dans l'optique, si mettons que. Mettons que j'utilise pas ma grosse batterie. Que je pars toujours sur le principe que j'ai qu'une alim. C'est pas une si grosse diode que ça. A priori. T'auras le même problème, mais déporté géographiquement. Oui, mais au moins je peux le faire. Je peux gérer ce problème-là de manière séparée. Cette carte-là, j'y touche pas. Elle est bonne telle qu'elle est là, en fait. On est d'accord, le problème persiste, mais le régler à un autre endroit, c'est quand même plus simple que d'essayer de le régler directement sur cette carte-là. Je pense. Je regarde vite fait à côté les diodes. Ouais, ça c'est du 3 A. Non, pas une diode de redressement. Alors, diode de. T'as 10 ampères pour voir. Ah, j'ai pas trouvé la. Ah, merde, j'ai pas mis l'attention. Bon, 1 kV, 10 ampères, 600. Je regarde vite fait, mais il y a. Toi, tu me proposes la quoi là? Suite cassée tiré 13. Ah, j'aurais dû mettre non, non, Ah, il y avait des giga en dessous. Ouais, voilà, c'est pas 8 ampères redresseur. Ouais, c'est pas si gros que ça. Hein. C'est pas fou, on est d'accord. Mais ça reste quand même quelque chose qui est faisable quoi. Espèce de clé qui coupe le circuit vers le connecteur du haut, genre un XT60 avec un fil entre les deux broches. Moi, je peux faire un commutateur, hein. Un commutateur, ça me. Voilà. Ça pourrait être aussi une solution. Je commute, j'ai un petit interrupteur et puis je dis bah quand est-ce que je veux alimenter avec ma batterie et quand est-ce que je veux alimenter avec mon. Ouais, c'est une solution aussi ça. Peux pas passer le courant par une turbine à travers la. Plus, ouais, tu vois, plus qu'une clé, moi je trouve que le commutateur, ça peut être aussi. Une solution.
Et par contre, faut que je... Ah, faut pas que j'oublie de l'enlever, hein. Je réfléchis en même temps. Ça dépend de la taille de la diode. Mais là, elle est pas énorme celle-là, hein. Sept par deux par 6. Ça va? Une belle diode, mais c'est pas. Est-ce que j'en ai une? Alors attendez, je vais. Fiche technique. Je vais ouvrir. Nickel. Oh, non, en fait, si elle est grosse. Elle a l'air assez violente. On va regarder ce qu'ils ont comme package à l'intérieur. Extraire. Oui. Ah non, c'est du PW, c'est chiant ça. Donc, je me reconnais et je tombe sur un énorme blanc. Ouais. De diode 8 ampères, est-ce que le fusible a un sens? Bah. Non, je vais rajouter une seule diode 8 ampères, je vais pas en ajouter deux. Merci, Nanamph. Pourquoi est-ce que tu voudrais en rajouter deux? Moi, j'en rajoute une que là, en gros. Dans ce sens-là. J'ai pas besoin d'autre chose. Puisque. Ah. Si, il faudrait que j'en ai une là et une là, en fait. Parce que le fusible a encore un sens. Bah, tant que le fusible il est inférieur à la diode. Si, il a un sens. Donc tu charges la batterie. Oui, non, c'est con. Non, mais je viens de le faire là dans le sens. Et effectivement, si j'oublie de débrancher la batterie, je suis en train de charger la batterie. Et ça, c'est pas très bon. Donc non, il faut que j'en mette deux. Et t'as une diode de 8 ampères et t'as un fusible de 5. Si, ça a du sens. Bah honnêtement, je vais jamais au-dessus de 5 en fait. Sur mon robot, là, j'ai fait des essais, je tourne à 3 ampères, 3-4 ampères maxi, quoi. Grand maxi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? 132 ampères, oui, bah oui. Oui, bah là, je suis tranquille, là. Qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Là, par contre, il faut. Oui, ouais, je vais me dire forcément que. Oui, plus pour éviter un départ de feu que de protéger ton deck. Oui, aussi, c'est ça quoi. On a ça. T'as ça sur la carte d'Alim? Oh la vache! Ah, mais c'est pratique ça! Et ça. Ça, j'ai de la place pour l'intégrer, ça. Là, ça peut aller là, ça. Ici, là. Bien. Reviens. Reviens. C'est pas trop mal, ça. Oui, de toute façon, enfin, vu les courants que vous faites passer, vous n'avez pas monté de refroidisseur dessus. Je tombe là-dessus, il faudrait faire les calculs, mais anti-inversion de polarité, d'accord. Et c'est quoi le drop? Ouais. Si tu montes à 132 ampères, j'imagine que oui. Là, il y a moyen de. Faut quand même faire les calculs. Bon, t'as un boîtier, ok, pour le faire.
Ok, ça marche. De toute façon, j'en ai besoin de deux, donc ces trucs-là, je devrais en mettre deux. Là, au moins, je le mets qu'une fois et je suis tranquille. Non, pourquoi j'ai cliqué sur l'annonce? Bon, tant pis. Attends, j'ai même pas vu le prix. C'est ce prix-là? Oui, non, un peu plus cher que ça. 80 centimes, ça me semblait peu. Footprint, data sheet, symbole, not available. Oh, putain, il n'y a rien du tout. Le package est standard. Ouais. Non, mais j'aurais quand même voulu avoir. What? 229. Ouais. Théo 220, pas 229. On retire pas tant de jus en général. Non, on n'est pas du 130. Ah, après, sur les. Si t'avais des. Comment ça s'appelle? Des turbines. J'ai vu des turbines en brushless qui pompaient sacrément, quoi. Donc, c'est. Non, des fois, je pense que tu peux monter à des trucs assez impressionnants. Ouais, mais j'ai pas. Ouais, mais du coup, le paquet est standard, mais il faut quand même que je fasse le. Je vais pas en fil intégré, genre, il le prendre direct. Si je vais chez Digikey, ils l'ont pas. Ah, j'ai appris hier que chez Digikey, ils avaient un soft pour montrer les schémas des cartes qu'ils vendaient sur les breakouts en ligne. C'était assez fou. J'ai été assez surpris de ça. Non, ils l'ont pas. Est-ce que par hasard dans Eagle, on pourrait l'avoir? Ouf. Théo 220. Je change son nom. C'est très bien. Qu'est-ce que vous en pensez? En plus, j'ai même le. Je crois que j'ai même le 3D. Allez, zou. Non. Désolé. Oui. Voilà. Boum. Ça n'en parle plus. Ouais, le 3D déjà en Eagle. C'est clairement plus complet ce genre de gestion. Ah oui, non, mais les turbines, c'est. Enfin, de manière générale, quand tu passes sur du brushless, c'est un autre monde. Je ne sais pas, on n'avait que deux turbines. 30 ampères par turbine, de tête. Ouais, mais il y a les pics hein, aussi. Du coup. Je sais que même nous, sur des gros moteurs continus pour le robot de la coupe, on avait des pics à 40 ampères par moteur, des fois. Mesurés, hein. Et là tu paniques un peu parce que c'est pas t'as pas l'habitude. Comment je m'intégrais à ça? On va tout dégager. Voilà. Ça, on va le mettre à part. Donc, on est d'accord. On va faire ça. Voilà. Finalement, il n'y a rien de plus à faire, hein. C'est plus facile à gérer, tu as moins de contrats de timing, mais ça reste violent. Oui. Bah, en fait, les pics, c'est le problème, c'est que quand tu es. Autant tu peux le gérer quand tu es en autonome, autant quand tu fais du pilotage à distance, tu es sur ta manette et du coup, tu peux faire des. T'es, genre ça, parce que tu dis merde, ça avance pas. Hein. Et en fait, à chaque fois que tu balances un petit truc, ça te met un pic, puis au fur et à mesure, ça fait tching, 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 ça reste tout en haut, et puis c'est comme ça que tu crames tes ESC en fait. Et quand tu as une manette de base, elle te fait pas cette régulation-là, donc elle t'envoie tous les pics, et donc du coup, c'est constant, c'est constant. Quand tu as une manette un peu plus haute, c'est salut Esquimon. Quand tu as une manette un peu plus professionnelle, tu peux gérer ça plus finement et ça t'évite de griller tes ESC.
Mais j'ai déjà vu ce problème-là et ça fait un peu peur. Hein. D'accord. J'aimerais bouger le composant, s'il vous plaît, merci. Non, pas bouger le. Attraper. Mais où est-ce qu'il est le. Ah, il est là. Putain, pourquoi j'ai confondu avec le. Ok, nickel. J'ai compris que tu as un relais pour couper la puissance. Quel est son courant max? Oh! Je peux te donner ses. Voilà, c'est un CB1-P-24. On peut aller regarder. P-24, je ne l'ai plus en tête parce que ça fait longtemps qu'on l'avait choisi. Non. Merci. Fermez. Merci. Pas hier. 20 ampères. Voilà. 20 ampères. C'est quoi le thème cette année? Alors normalement le thème cette année c'est Sail the World. Il faut manipuler des gobelets verts et rouges et les positionner à certains endroits. Comment? Là la problématique cette année c'est plutôt l'annulation ou non de la coupe. Là on est un petit peu tenu par ça. Donc on ne sait pas si le thème il sera gardé cette année, si c'est reporté l'année prochaine, changé. Modifier, garder en totalité. Enfin, on est un petit peu dans l'expectative. Donc là, on fait plutôt en train de travailler sur des trucs très génériques qui pourraient resservir les années suivantes. Ils ont un plan B pour leur gars. Bah ouais, bah voilà. Du coup, ils sont en train de réfléchir. Ils ont déjà décalé une fois et en fait, du coup, ça retombait à un moment où en fait, bah, on était encore en confinement où ça était encore limité. Donc là, ils sont en train de trouver un plan C, voire un plan D et tout ça jusqu'à X, Y, Z. Voilà. parce que ça sert à rien d'avoir une diode qui tient plus que le relais. Ah oui, on est d'accord, oui. Oui, elle est très overkill celle-là. C'est très overkill. Là, je viens de l'intégrer là pour voir un peu ce que ça donne. Parle de faire une compète en 8 clous ou pas. Honnêtement, non. Honnêtement, c'est pas du tout. Enfin, je dis non parce que c'est pas du tout quelque chose qui a été. Bah, j'ai l'impression envisagé par PS puisque c'est pas une question qu'ils nous ont posée, ils nous ont appelé en fait. Ils ont essayé d'appeler le plus d'équipes de la coupe possible pour justement essayer de voir qu'est-ce qui était possible. Et le fait de le faire en 8 clones, c'était pas une option qui était proposée. Donc je suppose que non. Je suppose que non. Des gradins avec des bancs tous les mètres. Non, des gradins avec des caméras. Tu vois, et tu peux te connecter à des caméras pour être en public, tu vois. Et avec des servomoteurs à côté pour faire comme ça. Simuler du public. Et je suis en train de me dire un truc là, avec ce paquet là, 132 ampères, c'est un peu con, non? Parce que du coup là, tu peux pas véritablement faire passer une piste qui fait passer cette puissance là, non? Enfin, je suis en train de me dire. C'est peut-être pour ça qu'il mettait la patte un peu sur le côté pour pouvoir faire passer un plan plus important, non? Ils semblent quand même pousser l'organisation locale par région. Oui, ils semblent pousser ça, mais. Tu vois, faut encore que ça passe en CA. Je comprends pas. En fait, il y a quelque chose que je comprends pas dans la logique d'essayer à tout prix de faire cette. De tenir cette coupe, en fait. Il y a quelque chose qui m'échappe. Il y a quelque chose qui m'échappe. Je comprends pas pourquoi c'est si problématique de la repousser. Je sais pas si c'est économique, si c'est au niveau des sponsors, c'est je il y a quelque chose qui m'échappe. Des vigibots pour simuler le public. Ah ouais. Vous avez les souvenirs quand même, c'est toujours la Ferté maintenant. Ah non, ils ont changé, c'est à La Roche-sur-Yon maintenant. Il semble qu'il y avait des soucis avec le festival. Bah ouais, le festival il s'est annulé parce que du coup les subventions ont été tuées, de ce que je me souviens. Ça avait réussi à être maintenu une année, puis après une autre année et avec plus
plutôt un support par les équipes. Donc maintenant, on paye en fait, on paye pour notre pas que l'adhésion, mais aussi la participation pour chaque équipe. Et ce qui aide aussi un petit peu au financement de la coupe, et ce qui a pu tenir une coupe à un moment donné, à La Ferté. Et puis après, du coup, ils ont été obligés de bouger parce que ça, c'était trop, à mon avis, trop onéreux pour eux de continuer à faire ça sans support de la mairie, en fait. Nous, on pensait organiser sur Paris avec plusieurs équipes sans public et avec du stream. Bah, nous, ça sera en septembre si on organise un truc, hein, septembre-octobre. Tu veux pas la mettre tout à gauche? Ta double diode tout à gauche. Attends, pardon. Du coup, j'ai complètement oublié que j'étais en train de streamer de l'électronique. Tout à gauche. Là? Ça, c'est ma gauche. Bah, ça me semble plus logique comme. En fait, il n'y a rien qui me semble logique avec le placement de cette diode. Bon, après, on parle de 50 A, des plans avec 50 A, c'est pas. Tu vois, je me disais que là, au moins, je pouvais faire un plan comme ça. Un truc assez gros ici, un truc assez gros là. Et après, repartir sur un autre plan là. Ah ouais, ça remonte. Septembre, octobre, ouais, bah ouais. Coupe de suite fin août normalement, venez. Ah ouais, c'est maintenu du coup. Du coup, je suis arrivé, ça parlait de pique, cette solution choisie. Ah non, je parle pas de. Oui. Non, je suis pas sur pique, je suis sur Teensy. Non, ça parlait de pique de courant en fait. Voilà. C'était pour ça. Alors attendez. Du coup, on a rajouté une diode là. Et du coup, on est en train de. Donc, hop, le pic, c'est mal. Bah, moi, j'ai appris sur pic. J'en ai des bons souvenirs, écoute. J'ai pas de trop de guéguerre intestine là-dessus. Donc, attendez. Pas le même pic, effectivement. Voilà, c'est ça. C'est le petit pic. Voilà, pas le pic en lettre capitale. Tu pourrais presque utiliser ton relais déjà existant pour commuter d'une alim à l'autre. Non. Ah. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Ah bah merci, est-ce qu'ils m'ont. Alors attendez, parce que là il y a plein d'idées. Donc, diode, il faudrait utiliser le relais pour commuter d'une alim à l'autre. Ah mais du coup, mon bouton d'arrêt d'urgence, il. Ah. Le problème c'est que si j'ai un souci, mon bouton d'arrêt d'urgence, il sert à rien. Je vois ce que tu veux dire. En fait, me brancher là, quoi. Faire venir plutôt. Là, j'ai du 24 volts qui vient. Ah oui, alors par contre, il faudrait que je mette dans l'autre sens. Ah. Ça ne met pas trop vite non plus, les confinements. Ouais, effectivement, c'est foireux. Bah, en fait, c'est pas foireux. C'est intéressant. Mais c'est juste qu'en fait, c'est ton bouton d'un dans l'utilisation qu'on a, c'est le bouton d'arrêt d'urgence qui ferait commuter le truc. Si c'était un bouton, puis après un autre bouton d'arrêt d'urgence pour. Enfin, après, ça devient vite l'enfer en termes de système. Non, mais cette double diode, moi, elle me paraît très bien. C'est juste que le modèle me chagrine un peu là sur comment je vais faire pour pouvoir. Oh. Allez, je vais faire un truc et puis vous me dites ce que vous en pensez. Hop, on va ça, 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 ça. Je le corrigerai après. 5, voilà. Donc là, il va gueuler, mais c'est pas grave. Ah oui. Le rank. Rank 1. Voilà. Voilà, nickel. Et du coup, voilà, c'est ça que j'avais peur en fait. Ce truc est un peu chelou là. On affinera après. Hein. On le fait là. Et puis. Par contre. Ouais, merci. Voilà.
Quick. Ah! C'est moche ça. J'ai lâché mon bouton sur le clavier et du coup tout est pâté. Voilà. Du coup, vraiment que je change les noms des signaux, c'est vraiment dégueulasse. Du coup, là par contre, ça va pas aller. Il faut que je change le rank aussi. Ah oui, là par contre, je passe sur un rang 2. Voilà. Et là, il faut que je change le rang de celui-ci. Faut que je décale tout, quoi. C'est génial. Me demande si je devrais pas. Va passer à 6 direct. Voilà. Eh, pourquoi il veut pas? Bon. Ça me saoule. Voilà. Faire un truc. Ok, on va y voir beaucoup plus clair. Ah ouais, c'est parce que du coup j'ai un. Nickel. Voilà. Cool cette créature de rank. Bah cool et pas cool. Des fois c'est un peu chiant. Dégueulasse. Ah oui, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je suis pas du tout. Content de ça là. C'est très sale. C'est très sale. C'est très sale. On va pas le faire comme ça. Ça m'énerve. Ça m'énerve énormément. Allez, ouf. On va pas utiliser ça. On va le faire avec des pistes. Ce sera très bien. Non. Oh là là. Oh là là. On va sortir. Salut Roger. On va le sortir un peu. On va partir sur lui. Voilà. Honnêtement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est pas mieux? Vu que j'ai environ 5 ampères qui passent là-dedans. C'est quand même plus propre. Ouais, c'est plus propre, hein, on est d'accord. Mais ce paquet, là, il me fait chier, là. Je comprends pas pourquoi ils ont choisi un truc comme ça. Enfin, je pense que le premier truc que j'avais vu où la troisième patte était décalée vers le haut permettait justement ça, en fait. Je me suis un peu fourvoyé là avec les. Voilà. C'est bien mieux, hein. C'est bien mieux. Par contre, j'ai un V-bat partout. Bah, top, top, top. Je suis quand même. Ah! Oh! C'est pas du tout ça que je voulais faire. Mais putain. Ah, c'est parce que tu es là. Voilà. Non. Eagle. Arrête de me faire chier. Juste le descendre un peu. Voilà, merci. Un peu coincé entre les connecteurs et le porte-fusible. Bah oui. Et c'est là où on va utiliser notre botte secrète. Que King, il avait vu tout à l'heure. De remonter. Voilà. Ça. Et merci du coup pour cette découverte du petit. Ah! Bon, quand c'est comme ça. Voilà. Va-t'en. Va-t'en, vilaine bête.
Il est un peu coincé. Il est un peu coincé et du coup ça m'énerve. Et donc du coup. Ah oui, c'est parce que le point il est là. Et là. Là, c'est pas mal là. Ah, là, c'est chiant parce que je peux pas passer mon connecteur sur le côté. Vous allez faire de la doc. Vous aussi, bon courage, bonne nuit à tout le monde. Bah, bonne nuit, Esquimon, à bientôt. À bientôt. Ça peut être pas mal aussi, hein. Il est moins coincé. Ouf. Mon Dieu. Il est un poil moins coincé. Comme ça, là. Pas mal là comme ça. Alors, déjà un peu gaminé, je trouve. Jamais assez de documentation. Parce que du coup, je peux passer là et entrer avec du 50. Voilà, ça je le réglerai après. Ouf, ça c'est gros. Est-ce que ça c'est... Oh, ça c'est un peu mieux ça. Le fusible sera plus accessible, ouais. Ouais, parce qu'on va le prendre en pinçant. Du coup, ça sera vraiment mieux. Et là, du coup, je peux sortir en... Alors, je suis pas aligné sur mon pas, du coup, ça c'est chiant. C'est pas grave, je pourrais y aller plus que 100, mais... Voilà. Oh, c'est mignon, là, comme ça. Ça me semble un volume de live. Ça me permet de discuter de tout, c'est pas faux. Salut Alf, bonne nuit. Ouais, je suis bien plus content avec ce design-là. Salut Antoine. Bonne nuit. Bien, j'avais dit que je ne durerais pas trop ce soir, mais... La question c'est là, est-ce que je fais un... Est-ce que je fais un polygone pour le 24? Ou est-ce que je... Non, je vais faire un polygone parce que j'ai une genre d'étoile. Donc j'ai pas envie de le faire en cascade. Je me suis trompé. Je me suis trompé de rank. Chier. Ça, c'est bon. Là, c'est bon. Ouf. Ouf. Puis les morceaux de polygone inutiles. Ouais, tout le bas, je vais le bouger. Genre tout ça là, je vais le remonter. Tout ça me sert à rien. Enfin, il y a plein de trucs qui vont pas là. Il y a plein de trucs qui vont pas. Ça va pas du tout mon machin. Je sentais que ça va pas du tout. Hein. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout.
Je suis pas du tout satisfait du truc. Ça là, c'est... Ce truc là, je vais le resserrer ici. Bas avec des polygones et c'est moche, c'est très très moche. On n'aura fait aucun jingle, c'est vrai. C'est vrai, mais j'avais dit que je cloisonnerais pas la vidéo ce coup-ci. Parce qu'effectivement, ça m'a pas servi à grand-chose en plus. Ce petit truc. Ça m'énerve, c'est moche. Je crois que j'ai besoin de y réfléchir un peu plus à tête reposée. Bon, fonctionnellement, ça va le faire, c'est juste que c'est dégueulasse. C'est plus ça qui m'embête. Presque à me demander si je devrais pas attendez, qu'est-ce qui se passe là? C'est bon. C'est presque à me demander si je devrais pas refaire un plan de masse au-dessus. Non, c'est con ça. Bon, écoutez, je pense que je vais. Il faut que j'y réfléchisse un peu et mon cerveau malade ne m'aide pas beaucoup là, pour le coup. Juste le repousser pour voir si effectivement le. J'ai pas regardé si le modèle 3D de la double diode était bon. Parce qu'il s'est pas affiché chez moi. Et on va s'arrêter là. Putain, je pensais pas passer autant de temps sur cette carte. Mais c'est bien. On s'est posé plein de questions. C'était cool. Et c'est bien parce que ça, c'était la carte simple. Comme quoi, il me reste quand même pas mal de taf sur la coupe. Oh oui. Ah, il a l'air de se générer. Newer version. Ah oui, les 8. Open. Jingle 3h, ouais. Ah, c'est bien ce que je me disais, il n'y a pas de 3D qui... C'est pas la bonne. Qu'est-ce qu'il m'a fait, lui? Push to fusion. Push. Il n'y a pas pushé. Salut Romain! Heureusement qu'on a parlé que pendant 10% du temps de ta pelle roulante, c'est vrai. Il manque un truc, non? Il manque un truc, oui, je suis d'accord. Et on n'a pas parlé beaucoup de robots de combat, hein? Honnêtement. Je crois que j'ai réenregistré une version dessus. Je crois que il y a une connerie de version. Ah, ouf. Non. On va pas le monter comme ça.
Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, allez, là, le logiciel, il veut même plus, là. Il sait. Qu'est-ce que... Alors, on est d'accord, le paquet 3D existe. On est d'accord que ça vous faisait chier de raccourcir les pattes pour avoir quelque chose qu'ils mettent dedans. Mais non, non, on va descendre jusque-là. On va descendre beaucoup plus. Au moins, il est facile. Qu'est-ce que c'est que ce montage à la Bourmoelle? Eh, vous allez me dire, remarquez quand même que il est quand même dans la carte. Voilà, il est en l'air, mais il est quand même dans la carte. Et ça, c'est un point renfort. Bon, sur ce, je crois que stop. On va s'arrêter là. Moi, ce que je vais faire, c'est que, allez, je passe sur. La webcam. Wouhou! Maintenant, tu peux lui mettre un ventilo pour l'aérer. Ouais, c'est clair. Ouais, 5 ampères, il va chauffer. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour ce live. C'était vraiment chouette. Je pensais vraiment pas passer autant de temps sur la carte. Mais bon, apparemment, il y avait vraiment besoin et c'était nécessaire parce qu'il y a eu des trucs de fait. J'aime bien comment ça part là parce qu'il y a des trucs très intéressants, des fonctionnalités intéressantes et en plus qui se sont rajoutées. Et du coup, je trouve ça vraiment chouette. Bon, j'ai tenu ma parole. On n'a pas parlé beaucoup de robots de combat, hein, vous avez vu. Voilà, on a vraiment parlé de beaucoup de coupes et notamment de cette foutue carte que je ferai peut-être même pas pour cette année. Pour ceux qui veulent, bah, comme la semaine dernière et comme la semaine d'avant, à la fin de ce live, moi je vais partir en after sur Discord pour continuer un petit peu la discussion, mettre le fichier en live, etc. The live was not a lie. Eh non, the live was not a lie. Effectivement, Rosaline. Du coup, bah, si jamais vous voulez passer sur Discord, bah, n'hésitez pas. Voilà, c'est l'occasion d'arriver dessus puis de discuter un petit peu de la fin du live. Et bah, pour les autres, je vous souhaite une excellente nuit. Si vous regardez la rediff de ce live, je vous souhaite une excellente journée. Ça dépend. Soirée, nuit, je n'en sais rien, ça dépend quand est-ce que vous regardez ce live. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. Faites attention à vous, restez connectés, n'hésitez pas à me suivre, bricolez bien, et puis bah, à bientôt sur la chaîne. Salut!